Et du coup, on va se mettre en no HUD direct. Bonjour d'ailleurs pour ceux qui seront en replay. Hein, salut, on vous adore, bien entendu. Alors, je n'ai pas que je fais une nouvelle partie, bien entendu, parce que je n'ai pas commencé. Allez, alors oui, j'ai enlevé des flashs. Il est possible qu'à chaque coup, il y ait un flash, j'ai enlevé. Parce qu'on a des problèmes de yeux, quand même, à un moment, hein, dans la vie. Voilà, donc je voulais absolument jouer un renard. Je pense que les renards, c'est un peu la vie. Mais je peux pas passer, c'est vraiment un Dark Soul. Ah non, ça va, c'est juste... Ah, c'est juste de l'herbe. Ok. Oh, trop bien. Alors si ça rame un peu, vous me dites. Hein. La voix est bien séparée et distincte, voire distinguée. Merci de dire que j'ai une voix distinguée. Chose qu'on ne me dit très rarement, vu tout l'argot que j'utilise et... Et toutes les insultes que je peux avoir aussi. Alors attendez. Voilà, je pense que le son est bon. Merci Flutilette de m'accompagner. C'est cool. Du coup, on va checker. J'ai le retour au cas où. S'il y a un problème. Alors, s'il y a un problème sur la vision de. Je crois que c'est l'endurance, ouais, c'est ça. Oh non, il y a des galipettes, c'est vraiment un Dark Soul. Alors oui, c'est. Et là je suis fatigué. Oh, il est trop mignon. Ouais, elle est trop mignonne. En tout cas, la mèche est géniale. Je trouve que la physique de la mèche, hein, la vraie vie. Ouais, j'essaye de faire en sorte que la voix soit un peu plus élevée, forcément, que le jeu, pour pouvoir que ce soit bien entendable, qu'il y ait aussi les... C'est ça. Et qu'il y ait aussi une bonne captation de ce qu'on dit à l'oral. Et que j'évite aussi au fur et à mesure d'avoir des tics de langage, parce qu'en fait c'est un peu le problème de ce stream. Et qu'on puisse avoir des bons sous-titrages, quoi. Des bons sous-titres, parce que... voilà. Bon, ça c'est une place, est-ce que est-ce que je m'envole? Non? Ok. Plus tard. Nous sommes sans armes. On va faire du Dark Soul, on avance. Oh! J'ai pas de lettres, apparemment. Ok, j'ai tout à fait compris. Je n'ai pas de lettres de toute façon, ça doit être marqué vide. Sachant que je l'ai mis en français, hein. Voilà, c'est en français. Ah, je peux lock? Ah ouais, je peux lock. Ouh là là, ça va être compliqué comme jeu. Alors ouais, du coup, j'ai recommencé Dark Souls et je me suis fait un super perso, mais vu que, voilà, c'est à cause de Elden Ring, hein, c'est pas du tout à cause de... Je trouve qu'il y a un petit truc qui pose problème, il est un peu saccadé, non? C'est moi ou... Qu'est-ce qui est problématique? Synchro vertical, je sais pas ce que c'est, qualité des ombres, bah... si tu peux, oui. Alors ça, je veux SSAO, profondeur de champ, je veux toujours, marche, arrête peut-être. Parce que le FXA, je sais pas ce que c'est déjà, mais... Ah, c'est l'anti-aliasing, ok. Du coup, là, c'était un peu aliasé, non? C'était un peu trop, hein, non? Après, ça demande moins de ressources, donc c'est en général mieux. Mais là, il est un peu moins doux, donc c'est un peu moins intéressant. On fait les petits topos avant, parce que je ne connais pas tous les trucs. Moyenne, qualité SA, donc ça doit être les ombres, en fait. Du coup, on peut mettre en moyenne aussi, ici. Synchro-vertical, ça doit être les bandes de luminosité... sur l'écran. Est-ce que ça saccade, là? Non. Ça a l'air de bien, en fait, hein. L'ordinateur prend en charge les choses. Oui, donc, du coup, comme tu disais, Flutilouette, oui, il y a une classe à la française qui sont les insultes. Alors, bonjour. Ne t'approche pas trop de moi. Je connais les blobs. J'ai vu les blobs dans Dark Souls. C'est l'enfer. Je veux juste passer par la porte, si c'est possible. Merci. Ah, c'est fermé. Donc voilà, c'est une sorte de Dark Souls-like un peu recopié aussi sur Zelda. On peut pas descendre, donc ça c'est intéressant. Vous avez remarqué l'habit, il y a totalement une référence. Et j'adore les Zelda. Voilà, on va rentrer ici. Hein. Ah, j'imagine que c'est une fourchette au lieu d'être un couteau. Un bout de bois, la vraie vie. Alors, LB.
Ah, j'ai un inventaire. Oh, le graphisme est génial. Je suis désolé, mais là, je suis en fanatisme sur... Ah, attendez, qu'est-ce que je peux faire? Non. Est-ce que je peux pas faire gâchette? J'ai une habitude de gâchette en ce moment. Oh, on peut casser des trucs, c'est trop beau. Oui. Oui. La lumière est incroyable. Je crois qu'on va garder ça. Comme... si l'ordinateur le veut bien, en tout cas. Il y a quelque chose en bas là, non? Oui, il y a quelque chose en bas. On peut pas descendre? Non. Et là? Non. Ok, donc du coup, on va voir si on peut taper les blobs. Ok, il y a un enchaînement de 3. Ça, c'est cool. Bon, alors moi, je suis très motivé, hein, parce que le jeu est beau. Alors, hop. Je peux toujours tourner autour, comme dans tous les bons jeux. Où on essaye d'éviter de se faire taper dessus. Je vais mettre dans l'ambiance parce que c'est un beau jeu quand même. C'est un peu chill-lofi que j'en ai marre, mais c'est pas grave. On va voir s'il y a un peu de... d'accélération de temps en temps. Ouais, il y a un petit... Ouais, quand on change un peu là, il y a un petit ralenti là. Ça saccade un peu. Hein. Ouais. Je vais peut-être. Je vais faire un truc, je vais enlever l'aperçu de l'autre côté de OBS. Peut-être que ça va aller le mieux. Parce que j'ai le retour de toute façon. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Oui, tout à fait. Ah! Ah, ça tape. Ça tape. T'approches pas de moi. Ah, merci. On peut faire des combos enchaînés. Et on peut taper plusieurs personnes. Moi, je voulais pas les taper à la base, hein. C'est juste que, ils foncent sur moi. Ça, je peux taper? Non. Ils foncent sur moi, ils ont l'air un peu agressifs. Ouh là là. Là, il y a un... Là, il y a des coffres. Comment je fais pour y aller? Bon, on va voir si on... Pour l'instant, on continue vers le... Je veux juste voir ce qu'ils nous disent là. Ce qu'ils nous disent là. Tombe du héros. Ah, c'est écrit en French. Oui, mais c'est fermé. Je peux taper? Non. Et du coup, on est passé par là. On n'a pas de carte hein, pour l'instant, donc j'imagine que la carte se débloquera à un moment. Là, on peut plus, c'est ça. Donc là, il nous faut un cut... une sorte de petit couteau en beurre, de préférence. Est-ce qu'on peut courir? Oh! Non, par contre, le Naruto Run, je valide pas. Pas du tout. Trop bien! Et en plus, ça n'utilise pas l'endurance. Oh, trop bien! Ah, une clé. Je prends. Ah, je peux tirer d'ici? Ah, je peux le loquer de loin. Bon, là, ça a l'air d'être bien l'ambiance en bas. Ok. Un couteau Humber? C'est-à-dire, c'est quoi un couteau en ambre, tu veux dire? Je vois pas qui est Humber. Je connais pas du tout le jeu, hein. Le jeu est un peu new. Ah, c'est une sauvegarde, j'imagine. J'ai allumé le feu. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, on peut se spé. On peut essayer des strats émergentes, bien entendu, comme tous les bons jeux. C'est-à-dire tourner autour. La vraie strat émergente. Ah, mais tu tournes en même temps! Il m'a fait perdre de la vie. J'ai pas pigé. En fait, c'était entre couteau à beurre et... Ouais, à beurre, oui. Un couteau à beurre. Donc là, ça nous donne de la vie, j'imagine. On va voir. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, on va par là. C'est une porte. Oui, il faut que j'apprenne à un peu articuler. J'ai pas fait de théâtre, j'aurais dû en faire peut-être. Pour voir un peu
que ce soit compréhensible. Oh, je suis une âme dans... Allez, on avance parce que ça a l'air d'être long. Faut monter les marches. Je suis mort ? J'ai ouvert une porte, je suis mort ? Waouh. Waouh. Ah ouais, non mais attendez. Parce que j'aime bien le voxel, mais là c'est archi bien. Tu as suivi très bien, c'est moi qui n'ai pas tous les neurones. Non mais t'inquiète, c'est... La fatigue aussi, hein. Ça c'est dimanche, hein, faut prendre son temps. C'est ouvert, mais c'est intéressant, mais on peut pas tourner la tête. Comment vous dire? Il y a un truc ici? J'ai ouvert une porte pour faire quoi? Je dois courir dans le vent? Ah ouais. Je cours dans le vent. C'est joli. Senseiya. J'ai l'impression... Ça m'a fait penser à Senseiya, ça. Tu articules... Pardon, parce que j'allais relire. Ok, c'est la Triforce. Je connais. J'ai compris le jeu. Qu'on arrête de jouer maintenant, comme ça, on reviendra dans le passé. C'est la Fox Kiri derrière l'anneau de cristal. Je ne sais point. En tout cas, j'ai eu l'impression d'avoir... l'impression d'avoir vécu tout ça dans un rêve. Bon, on va aller taper les gens avec des couteaux, parce que j'imagine qu'il faut aller chercher des couteaux, hein. Allez, hop. C'est pas par là. C'est en bas. Mais on peut pas passer, là, le couteau. Comment qu'on fait? Bon, c'est pas par là, apparemment? Je comprends pas. Comment qu'on descend? Le couteau... On a besoin d'un couteau. Bonjour, bonjour, je cherche un couteau. Connaissez-vous un couteau? Faut peut-être que je réouvre ou je me retape la même animation là. Scellé pour toujours. Ah d'accord, ok, sympa. La porte du héros est peut-être ouverte par contre. Le tombeau là. Bonjour. Ok. Ah bah c'est la clé du... Ah d'accord, ok. Faudrait que j'apprenne un peu à les symboles, histoire qu'on apprenne un peu une langue en passant. Qu'est-ce que c'est que c'est? Oui, je prends. Forêt de l'Est, tombe du héros. Faut sonner la cloche. Ah ouais, c'est totalement Dark Souls. Sonner la cloche de l'Est, sonner la cloche de l'Ouest, ok. Bon bah on va commencer par la cloche de l'Est, hein. Forêt de l'Est. Donc les prix trésors, d'accord. Potion magique, équipement. Important, tout me fait plus mal quand je suis fatigué, d'accord. On prend plus cher quand on est fatigué, d'accord. Ah, on peut zoomer. Ah, mais c'est trop bien. Oh, la qualité, les gens. L'impression, validée. Regardez-moi ça. La beauté de l'impression. L'écran de jeu. On dirait une pochette des anciens jeux vidéo, c'est trop bien. Regardez-moi ça. On peut même prendre les sprites comme ça. Et se dire qu'on pourra l'utiliser la prochaine fois. Voilà. Hop. Super. Les sprites, c'est les images d'un personnage en 2D. Image par image, ça fait de la 3D et un mouvement en général sur les anciens jeux ou les nouveaux jeux d'ailleurs, parce qu'il y en a souvent des nouveaux comme ça. Par exemple, les sprites d'Omori, je les avais utilisés. Mais ça, on l'avait déjà ouvert? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas nous qui l'avons ouvert, ça.
Ouais, mais c'est exactement le genre de jeu que j'adore. Assez mignon et minimaliste, c'est un peu mon style de jeu, j'avoue, en graphisme. Surtout que là, j'ai l'impression que c'est en voxel, c'est pour ça que ça tourne un peu facilement sur mon ordinateur qui n'est pas si jeune que ça. Hein. Oh! C'est des bombes à tête chercheuse comme dans Zelda. Ils ont la tête du renard. Oh, petite larme. Ok, nord, sud-est, ouest, j'imagine. Oh oui, on peut vraiment faire ça, c'est assez bien ça. On peut rester sur les marches. De la moula, super. De la moula qui nous sert à rien pour l'instant. Alors, combien de galipettes je peux faire? 1, 2, 3, 4, 3. Ok, on est dans les bonnes vibes pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils nous disent par là? Forêt de l'Est. Ah, c'est par là. Allez! Peut-être que j'aurais dû aller chercher un couteau, peut-être que ça peut aider. Alors, c'est un peu comme ça aussi que je joue, hein, c'est-à-dire que je ne prends pas les bons trucs. Ce qui est un peu mauvais aussi, de temps en temps. Attends, je veux juste prendre ça. Ok. C'est la suite. Ah, faut trouver des pages de jeu. Ok, bon, c'est très bien. Moi, je suis pour. On peut casser en tournant? Non. Moins marrant. Et là, il n'y a plus de son. Il n'y a plus de musique. Mais on a un petit bruit océan, pas mal. Ok. Ah, il y aura une corde qu'on va devoir débloquer. Les raccourcis. Ok. 1, 2. Ah non, les catacombes. Quel enfer. Est-ce qu'on peut voir ce qu'on a en dessous? Non. L'échelle ne va pas jusqu'au bout, je veux pas tenter. On va juste faire voir si on n'a pas oublié le couteau quelque part parce que ça me paraît un peu étrange quand même. Mais normalement c'est par là qu'on doit aller donc ça devrait être bon. Non c'était pas par là. Je crois qu'en fait on pouvait pas aller ailleurs. Hein. L'absence de musique c'est pour installer une ambiance plus proche de la concentration jusqu'au screamer qui te fait sursauter peut-être. Mais c'est possible. Ah! J'avais oublié, mais on peut pas passer sous ça. C'est vrai que dans ce genre de jeu, faut passer sous les cascades. Non, on peut pas. Bah, on n'a pas essayé d'ouvrir la porte, hein, ça se trouve, on peut. Mais je pense pas. Non. Et là, pour pouvoir descendre dans l'échelle, enfin, de l'échelle, il faut passer avec un couteau. Donc on doit aller dans la cloche de l'Est, hein, j'imagine. Je vérifie juste un truc parce que j'ai fait les préparations parce que je savais pas si le jeu allait tourner. Bon bah on descend dans les catas. Hein. Alors n'oubliez pas, dans les catas, faut toujours avoir une lumière, de l'eau. Faire attention à sa tête. Et si vous, surtout être à plusieurs. Avoir une carte. Et si vous êtes à plusieurs, bien entendu, il faut prendre soin les uns des autres. Donc la personne qui est en face de vous est votre point de référence. Et, et vous êtes la personne, le point de référence pour la personne qui est derrière vous. Donc on fait attention à qui est devant et qui est derrière. La musique est repartie en mode chill. Ouais, c'est quand on est dehors. Oh, la forêt. Le premier monde de tous les mondes. Ah non, mais j'ai pas envie de vous voir. Vous avez l'air méchant. Vous avez l'air d'avoir beaucoup trop de vie. Ouh là là. Ouh là là. Calmez-vous. Perdu de la ville. Est-ce qu'on peut faire un...
Ah non, on peut pas faire un critique, je vois ça. Non, vous, ça va. Ça m'utilise pas de l'endurance, on empêche le bâton, c'est bien. Est-ce que ça va être notre arme de préf? Je ne sais pas. Ah! Il m'a fait archi mal. Bon, bah on va sauvegarder ici, mais ça, ils vont tous revenir. Donc on va prendre cette page là. Oui, mais ça, on connaît déjà. On sait un peu comment jouer au jeu, c'est-à-dire tu lock et après tu peux taper. On connaît un peu. J'espère que tout cet argent va servir à quelque chose, parce que le nombre de trucs que j'ai cassé là. J'espère qu'il n'y a pas un potier dans le coin qui va m'en vouloir. Hein. Potière. Vous avez un couteau, vous? Vous m'avez l'air très politisé. Attendez 2 minutes. Donc là, ils vont venir à leur base, normalement. Donc nous, on peut essayer de faire en sorte de monter déjà. Waouh, ça va être chaud. Oh. Oh. Attendez. Voilà. La protection échelle, vous connaissez? J'étais à un point de vie, heureusement que je suis pas mort. Bon, ça va être souvent être ça, j'imagine. On va tenter. En fait, il nous faut plus de place, là, parce que... c'est compliqué. Oh. Vas-y, passez par là, s'il vous plaît, merci. De la thune, super. Voilà, ici, je suis là. Merci. On revient dans quelques minutes, histoire qu'on reprenne de la vie, et que vous ayez coupé un peu, c'est mieux. On aura plus de place pour le combat. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Il y a un petit décalage, je pense, fluide sous les silhouettes, mais tu as dû remarquer que je faisais ça. Ok, premier. Le couteau, tu me donnes pas? Ah, c'est bien, l'évitement est bien. Ok. Ok, ok. Mais le couteau, non? Ah, faut vraiment que je les utilise pour qu'ils coupent. Ils me laissent même pas de couteau, c'est vraiment des pas cool, hein. Des gens pas très sympas. Bon, je vais devoir prendre des coups. Je peux pas me protéger, non. Ah, peut-être que je peux utiliser ça. Qu'est-ce que ça sert, ça? Est-ce que ça fait une bombe? Qu'est-ce que c'est que c'est? Vous pouvez toujours attaquer même sans endurance. Oui, ça je sais. Au moment de la poussière, je suis pas touchable, c'est ça? C'est ce que je comprends. Invulnérabilité. Oui, c'est bien ça. Bon, c'était la page qu'on a trouvée et que j'avais pas regardée. Ça sert à rien. C'est bon, on a la porte. Mais ça sert à quoi ça? À part qu'ils soient mignons. Ah mais attends, il y a un coffre là. Que vois-je? Est-ce que c'est là où il y a le couteau, le coutelas? Non. Ça a l'air d'être de la vie, ça. Ouh là là, je m'enfonce dans la... Ça a l'air pas mal. Quel chemin? Où allons-nous? Ok, on revient ici. C'est un petit moyen d'éviter les personnes quand ils sont vivants. Ok. Donc là, on peut repasser par ici. Vous êtes là. Bonjour. 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 Ah, vous pouvez vous tuer entre vous? Mais ça, c'est magnifique. Attendez. Voilà, merci. C'est vrai qu'on n'est pas allé là. Poste de garde. Mais il doit y avoir des... Si c'est un poste de garde, il doit y avoir des armes dans ce coin-là. Work. Ouais, bah... bon taf.
Macro. Je comprends. À moitié. Ah, il y a un sniper là-haut, c'est ça? Tu snipes ou pas le petit éclair? Non, il a pas l'air de sniper. Et laisse-moi passer. C'est une petite macro toute simple que j'ai mise sur un timer d'une heure pour un Discord. Ok. Cool. Là, on peut pas passer, bien entendu. Est-ce que c'est un couteau? Est-ce que c'est un couteau? C'est pas mal, c'est de la vie. C'est ma vie. Donc on a de la vie plus un bâton. Et on peut pas aller de l'autre côté. Mais j'imagine qu'on pourra débloquer ici une échelle. Ça c'est un passage ça, non? Ah non. Est-ce que ça sert de se level up? Je suis pas sûr. Hein. On va monter. Hein. On va essayer de faire ça bien. Du coup, il y avait quoi ici? Je me rappelle plus. Je suis rentré? Non, je suis même pas rentré. Poste de garde 2. Bah, c'est très bien. Un deuxième poste de garde. Ah, mais je peux pas passer du coup. Ok. Et là-bas, on avait déjà vérifié, je pouvais passer, mais jusqu'à... je sais pas où. Peut-être qu'on peut trouver le poste de garde 2. Ah! Vous êtes un gros blob, vous. Ouh là là. Oh, vous êtes deux gros blobs. Voilà. Comment tu veux qu'on soit sympa avec vous si vous me tapez? Tu descends ou pas? Tu restes en haut? Non, tu descends. C'est moi ou je prends cher hein? Oui. Meilleur plaçage. Sauf que parfois, je suis pas sur la bonne fenêtre. Si par exemple, je suis sur une fenêtre Firefox avec un onglet de stream disposant dans le chat, comme ici, ou chez Lanty, ou Joli, ou ouais, Noboyo, du coup, faut que je change moi aussi. Par exemple, ça poste la commande quand même. Bah, en fait, faudra que tu m'expliques du coup c'est quoi que tu utilises, parce que ça, c'est le genre de truc qui m'intéresse justement. Pour savoir pour si je fais des modifications, parce que le chip stream, c'est un peu ça aussi, c'est genre, on parle un peu technique de stream, quoi. Comment arranger pour que ce soit un peu mieux. Mais je veux pas te voir. Ah, ça arrête en mi-course leur coup. C'est magnifique. Non, mais en fait, je veux bien que tu coupes ici, par contre. Mais non, mais c'était moi, ça. Non, ma vie, ma thune. Bon, c'est notre première mort. Est-ce que je fais un compteur de mort comme d'autres streams ou bien on se dit que c'est pas grave. La mort n'est que le début de la vie. Dans les jeux. Donc j'étais bien mort quand même tout à l'heure. Super macro ça s'appelle. Ok, je note. Et du coup ça te permet d'envoyer des commandes sur un Discord, c'est déjà bien, hein. En vrai. J'ai tout ce que j'avais, et on va passer par là, du coup on continue. En fait c'est tout ce qui est ouvert, hein. Ça c'est un peu le problème du coup, si c'est tout ce qui est ouvert, c'est un peu chiant. Faut vraiment être sur la bonne fenêtre, quoi.
Et ça, on peut prendre là, vos petits jets de nul, là? Ah, je peux contrer, je crois, leur truc. Bon, allez, on prend de la vie, parce qu'on on est des gens comme ça. Je me défends pas des masses. Hein. Oh, je peux récupérer ma vie? Oui, la tutune! Ok, donc là-bas, ça va permettre de faire en sorte de pouvoir débloquer quelque chose. Ok. Oh, j'aurais dû le faire monter. Oh, quel enfer. J'aurais dû le faire monter. Alors... Donc là, j'ouvre la porte, j'imagine. Ok. Je suis sûr qu'à un moment, on va découvrir qu'en fait, le couteau, il était au début et j'aurais pu faire quelque chose d'autre que juste avancer. Ah ! La lame ! Enfin ! Alors, non, bien entendu, on joue au bâton, nous. Alors, c'est pas ici, c'est pas là, c'est là. On garde notre truc, je sais pas à quoi ça sert. Il nous explique pas encore. Ouais, on peut tout déforester maintenant, c'est trop bien. Bon, allons voir directement ça. C'est de la thune, j'imagine. Ouais, c'est ça. J'ai juste écrit pour ma macro, fais alt tab, puis écrit work et enter, attends une heure, tu recommences à partir de écrit work, rien de sophistiqué. C'est déjà pas mal. J'ai du mal à faire le truc de HUD, faudrait que je fasse ça moi. De faire automatiser mon HUD. Des gens plus doués devraient pouvoir faire des machins et des bidules plus élaborés. Ouais. C'est ce que je me dis aussi pour l'histoire du HUD. Bon, c'est pas par là, hein. Bah, on va aller à la poste de garde 2. Je crois que poste de garde 1, on peut pas le faire. Mais on peut faire maintenant le poste de garde 2, je crois. On peut monter aussi. Peut-être qu'il faudrait que j'aille sauvegarder, à un moment. Ça, c'est de la lumière ou une bombe? Ça doit être une bombe. Après, on verra les coups que ça donne. Parce qu'on n'a pas fait les enchaînements pour voir ce que ça donne. On va peut-être aller voir ça maintenant. Je crois que la tour de garde 1, on peut vraiment pas la faire. Ouais, ok. Ils sont finis déjà. Si tu commences... J'aurais dû mettre le préquel de... En fait, si tu débutes le jeu avec ce style de jeu-là, là, pour jouer à Dark Souls, c'est bon, quoi. Et après, les gens, ils te... J'espère que tu te... Enfin, en ce moment, de toute façon, la communauté, elle est pire que tout, là, sur Dark Souls. Moi, j'ai vu un stream de Sean, où il a expliqué un truc vachement bien, c'est qu'en fait, tu partages par les messages dans Dark Souls, tu partages beaucoup de ton expérience, et du coup, c'est ça qui joue pour plein de gens, sur comment ils appréhendent la difficulté de Dark Souls, alors qu'en fait, ouais, tu lis les messages. Tout le monde lit les messages, donc tu fais des galipettes, tu fais pas ton vieux kékié. Dire, ouais, moi je joue en hard, comme certains streamers. Parce que justement, c'est ça un peu le truc, c'est très communautaire de se laisser des messages pour annoncer qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. J'arrive pas à trouver ça intéressant en stream. Par contre, j'avais trouvé très beau Sekiro. Ouais, bah c'est...
En regardant Sean, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que justement, Sean il joue. En fait, il était déjà max level quoi. Il était juste en balade et il s'amusait. Et en fait, c'est mieux, je pense, de voir quelqu'un qui s'amuse dessus plutôt que tous les gens qui sont essayés en try hard pour être hyper sérieux, etc. Je pense que ça joue beaucoup. Ah, mais vous êtes beaucoup ici! Je voulais juste passer. Mais on peut se débrouiller si vous voulez. Parce que je crois que là-haut, en fait, on peut vraiment pas, quoi. Attends, parce que je sais qu'après, il y a une entrée, je crois. De mémoire, je sais plus. Oh! Il m'a kill! Il m'a kill. Non, t'inquiète pas. Le truc du. Ouais, le truc de Sekiro, c'est que justement, ça jouait sur un rythme. Et ça c'est vachement bien trouvé, je pense, de prendre ce genre de jeu-là comme un jeu de rythme. Et c'est déjà un jeu de rythme aussi, en vrai, Dark Souls, tu t'attends aussi un peu à ça, c'est-à-dire tu peux taper deux fois, ensuite tu peux contrer, et après t'attends un coup, un gros coup, etc. Et Sekiro, c'était vraiment tourné que autour de ça, et c'était vachement bien, justement. De penser de cette manière-là, je pense que c'est pas mal pour certains jeux. Je dis ça en étant nul, hein, en rythme, totalement nul. C'est ça qui est intéressant aussi. J'avais pas vu ma vie, j'aurais dû regarder. Dans ce genre de jeu, c'est un peu ça, hein, faut regarder la vie, faire attention. Ouais. Vous voulez pas vous occuper d'eux à ma place? Ouais, merci. Là, lui, là. Non? Oui, merci. Voilà, merci. On reprend un peu de vie. Et c'est pareil, je suis en train de me dire, oui, c'est vrai que l'utilisation constante, par exemple, des feux pour pouvoir survivre dans Dark Souls, c'est un truc très en fait très bénéfique aussi pour la progression, parce que c'est tu peux pas te fermer en te disant ouais non faut l'utiliser qu'une fois. Je suis sûr que les gens enfin tu vois, j'ai appris en jouant à Dark Souls et en regardant les gens que y avait qu'on pouvait booster les feux, mais j'y ai joué la première fois sans le savoir. Embraser les âmes et tout. Pareil, j'ai appris. Peut-être que je suis un peu de temps sur ça, mais j'ai appris longtemps après la manière de pouvoir se. Comment dire? Ah, vous êtes un boss, vous. Vous êtes très politisé, non? La manière dont on peut justement entamer et éviter des combats. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, ouais, en fait, faut les faire. Et je dépense toutes les âmes que j'ai dans mes compétences, parce que j'étais dans un style de RPG à l'ancienne, où, par exemple, je n'augmentais pas le stuff. Et en fait, si, si, c'est nécessaire. Tellement de vie. Tellement de vie. Ok, ça va se passer comme ça, d'accord. Ok. Attendez, j'ouvre la porte, juste. Non, mais. J'essaye d'ouvrir la porte. Je vais mettre là, si ça vous dérange pas. Au revoir. Mais je vais mourir là, hein. Je vous connais. Hein. Vous êtes en train d'attendre en bas. C'est pas sympa. Hein. Au revoir. L'aspect règle du jeu, ça me passe complètement à côté. Je suis plutôt impressionné par l'aspect esthétique graphique, du moins en tant que spectatrice. Ouais, c'est un peu ça aussi. Moi, j'ai un peu de, tu vois, par exemple, l'aspect du certain gameplay, j'ai du mal à le capter tout de suite, quoi. Et quand c'est obscur, comme ça peut l'être sur Dark Souls, par exemple, c'est vrai que c'est complexe. Si tu connais pas déjà les strats, tu peux pas savoir vraiment. Bon, au revoir. Je fais que passer. Donc ça, par exemple, c'est une strat purement de Dark Souls d'éviter tout le monde, parce qu'en fait, on pourrait se les faire tous,
pour s'amuser, mais on n'est pas là pour s'amuser. Là, on est pour battre le boss à la base. D'où la sauvegarde à côté, et d'où les multi-personnes autour. Donc on va se taper d'abord la personne à côté, si ça vous dérange pas. Wow, merci. J'attends l'opportunité, hein. Par exemple, ça c'était pas une bonne opportunité. Arrête de me courir après! Arrête de me courir après! Merci. Oh! Oh! Ah, je vais mourir là. Oh! Est-ce que je vais... Qui va porter le dernier coup? Qui? Il est au ralenti, lui. Non! J'aurais pu m'enfuir plus vite, mais je crois que j'avais plus d'endurance et j'ai pas appuyé au bon moment. L'aile. Bon, bah voilà. Allez, on recommence. Salut! Non, mais là, j'étais en mode courir. Hein. Non, mais s'il vous plaît. J'ai pas envie de me les faire. Merci. Bonjour, je viens prendre mes abs. Merci. Wow, la vie, elle est partie direct. Oh lolo lolo. Lo. Non, mais en fait, j'aimerais bien survivre. Oh, la détente. La vie. Oh! Allez, allez. Voilà. Parfois, faut nier les ads. Si le boss en invoque régulièrement, ou en tout cas, ne pas les détruire tous pour ne pas perdre de temps, je pense à un autre jeu, The Lord of the Rings Online, seul jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Sans doute trop. Ouais, bah c'est ça, en fait. Il y a des moments où, en fait, faut savoir juste prendre les priorités, quoi. Et c'est un truc, j'avoue, ça m'a un peu appris ça, en fait, Dark Souls. Quelle est la priorité? Tu vois, est-ce que c'est de récupérer tes âmes à tel moment? Est-ce que c'est... on n'a plus de vie? Est-ce qu'on revient en arrière? Est-ce qu'on a un feu juste derrière? Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'on va se faire taper par un mimic? C'est possible, aussi. Ok, ça me va. On a fait notre premier boss, ou mini-boss. C'est redevenu calme tout d'un coup. Ah, ah. Pourquoi il y a un trou là? Merci Wisebot de nous dire qu'on a perdu une heure de nos vies. Non mais en fait c'est pour moi et les personnes qui regardent en fait, si vous avez du temps. C'est aussi pour ça que je fais l'affichage aussi de l'heure au début, avec le HUD, et c'est pour ça que je voulais le mettre en... C'est justement pour que tout le monde puisse savoir où on en est quoi. Ça pue le caca hein. On va revenir en arrière, on va récupérer de la vie parce que je sens que ça pue le caca de par là. Peut-être, ça se trouve, le boss va revenir en plus. On verra. Allons sauvegarder. Bon, le but, c'est pas mourir sur le champ.
Non mais vous êtes sérieux? Je fais comment là? Ah je prends le coup quoi. L'idée c'est je prends le coup, je m'en fiche. Ok, salut. Hâte de trouver un arc. Hein. Et on va passer par là. Il regarde pas dans le coin, il regarde pas dans le coin. Je suis monté à cette échelle, je sais même plus. Oui, bien sûr. C'est par là qu'on y passe, ouais. Mais là, il y a un trou là. Il y a un trou de lumière qui est quelque part. Bon, vivement aussi la protection, histoire qu'on puisse se protéger. Je sais pas si on peut se protéger dans le jeu. Pas l'impression. Ah, on arrive par là. Et ça, c'est la cloche? Ah oui, c'est un... comment ça s'appelle? Ce qui permet de faire les sons, et que ce soit le bon là, et B, et tout le reste. Si le boss revient, tu peux le farm pour augmenter. La quantité d'or, de stuff, d'expérience, ou que sais-je encore. C'est cheap comme tactique et un peu rébarbatif, mais ce n'est pas qu'un jeu. On est là pour gagner, soyons disruptifs. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que... par exemple, moi, j'ai tendance à faire ça, c'est d'augmenter le... Dès le début. Ça m'a crisé dans les oreilles. Ouah, il était caché. Ok, bon, on a fait le clocher, je crois que c'est bon. Hein. La carte? Est-ce que c'est la carte? Non? C'est comment déjà? C'est ça? Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est écrit en ce que je comprends pas. Donc on va faire comme si on avait compris. Ah d'accord, donc là il faudrait que j'utilise quelque chose de particulier pour pouvoir avoir accès au milieu, j'imagine. C'est beau ça. GG, vous êtes arrivé à la fin de la démo. Souhaitez-vous vous abonner pour la suite? Alors, je crois pas que ce soit une démo, parce que c'est vrai que je l'ai avec le Game Pass. Mais en ce moment, je suis en train de jouer à Grand Dead, que j'aime bien aussi comme principe d'être miniaturisé dans un monde où tu te retrouves face à des puces et autres araignées. Mais on peut enlever les araignées, d'après ce que j'ai compris. Pour celles et ceux qui n'aiment pas les araignées. J'aime bien l'idée. D'être miniaturisé et de pouvoir... C'est un petit jeu de survie d'organisation, mais... Mais je joue solo. Donc c'est le genre de jeu auquel je joue solo. Tiens, il y a une page là. Ok. Ah, la map. Où c'est qu'on est? Il y a une vieille maison. Le temple scellé. Ah, mais on est là-bas. On nous voit. Je sais pas si vous voyez. Je vais zoomer. Attendez. Ah. Comment qu'on zoome déjà? Ah, il y a même... Comment qu'on zoome? Non mais je veux zoomer, on avait zoomé tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Nous on est là, regardez. C'est joli. Ce petit effet papier. Donc vers la forêt de l'Est, on l'a fait. Ah, en bas, on n'est pas allé jusqu'en bas. On pourrait aller en bas. Là, il y a quoi? Vieille maison. Il y a des petits trucs au stylo. Là, il y a une sorte de piège, on dirait. Et là, c'est là où on est arrivé. On est allé tout droit. Et on a vu que c'était la porte scellée, tout ça. Et après, on a fait... on est allé voir ici, au-dessus de la vieille maison. On a vu qu'on pouvait voir des choses. Et il faudrait trouver la page 29 pour pouvoir avoir accès à ça. Bon, bah, c'est bien.
Et du coup, la dernière page, c'est quoi? Sous le puits. Ah, il y a un puits, page 29. Ah oui, c'est sous le puits, oh, d'accord, ok. C'est ce que... Bah, la page 29, on l'a, du coup. Comment qu'on descend, maintenant? Peut-être avec un... ici? Non. Ok. La texture est incroyable du jeu. C'est un kiff, la texture. On peut dézoomer ou quoi? Je sais plus. Non, on peut pas dézoomer ici. Non, mais je veux pas le petit truc. Je veux la bombe, tiens. Voilà, merci. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai misclick again. Là, on est revenu au début, je crois. Est-ce qu'on max notre... Ah non! Quelle bête! J'ai appuyé sur la bombe, bien entendu. Ça me rappelle les débuts de Zelda. C'est où on utilise toutes les bombes et qu'on se fait avoir. Peut-être que je pourrais ouvrir le truc avec une bombe, remarque. Parce que vu que ça se lance... Bon, on va pas être trop rondondant, on va essayer de continuer. Ah, la musique a changé là. On peut faire tomber des trucs dans l'eau? Trop bien. Trop beau. Ça fait petite map en voxel. Magnifique. Sur le Seigneur des Anneaux, qui est un MMO, je jouais le plus souvent en solo, sauf les raids ou l'endgame, évidemment. C'est plaisant le solo, on se promène sans la pression des autres pour garder le rythme, ouais, c'est ça. Et en fait, le Grounded, ça devient même... Moi, j'aime bien les simulateurs... Enfin, il n'y a pas de simulateur de balade, mais j'apprécie les simulateurs de balade. Ah, mais vous êtes la mort, je pars. Au revoir, au revoir. Non, 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 mais je... Ah non, mais vous êtes un marchand, attendez. Bonjour, que m'offrez-vous? Bon, on va acheter ça. 300? Oui, j'ai assez. De la vie. On peut acheter ça? 100? J'achète aussi. Merci. Je sais pas à quoi ça sert, mais très gentil de votre part. Au revoir. Parce que j'aime bien les simulateurs de balade, c'est un peu cool. Mais il n'y a pas vraiment de simulateurs de balade. Et du coup, ouais, ça fait un peu... tu peux te promener, quoi. Et tu découvres. C'est ce que je fais dans Grounded, justement. Est-ce qu'on peut lancer à lui une bombe? Bah, foi oui. Voilà. Comme ça, c'est fait. Bonjour. J'ai mis mon viseur. C'est dur. Ah, critique! Quelle est cette page? Ah, ok, ça veut dire quoi? Ok. Ah, c'est vraiment prendre. Et ça, c'est quoi ça? Ah, moment de sécurité, dégâts esquivés, moment de sécurité. Vulnérable, 150%, c'est quand je suis dans le rouge et que ça clignote, et on l'a vu. Ok. Et ouais, d'accord. Donc on est en sécurité quand on se protège. Thank you.
Ah, c'est un diapason peut-être. J'ai... Non, c'est pas ça le terme. La porte, on peut l'ouvrir? Non. Dans Minecraft, il y avait un petit côté balade aussi. Souvent, je survole la map et je sors les cubes de construction quand un paysage m'inspire. Ah, c'est pas mal. Comme truc. Ouais, c'est un truc qui a bien fonctionné aussi dans Minecraft, justement. Moi, j'avoue, j'y ai pas trop joué. Bon, là, il y a un truc à faire, j'imagine, en même temps. Donc là, on descend, mais ça sert à rien. On est déjà passé par là. Vu qu'on l'a, on revient. Ah, les clignotants, ça dure un moment quand même. Ok. Donc ça, on a fait. Peut-être dans le puits, on est rentré dedans, mais je sais plus ce qu'il y avait. Si, il y avait juste un truc pour. Be right back. Bah ouais, mais moi aussi, je vais faire une petite pause de toilette, je pense. Oui, ça, c'est le marchand. Je vais vous laisser avec le marchand, la musique du marchand est cool. Ça fait pas du tout peur en plus. Oh, ça vibre. Ah, je vais vous laisser comme ça, je vais juste enlever la cam. Non, je vais juste... Hop. Ah non. Mince, pardon. J'ai mis clic. Cam. Hup. Hop, pause. Je reviens. Et on revient sur le jeu. Ça peut être... Ah ben, le jeu il a disparu. Si, ça y est. A tout de suite. J'ai un chat qui a été amené, qui s'est amené de force, parce que je lui ai piqué sa chaise. Bon bah c'est reparti, hein, écoutez. Je vais peut-être garder la caméra juste off le temps que je puisse addicter. Je vais vous enlever le HUD quand même, ça peut être intéressant, non? Et pourquoi il fait ça avec le HUD? Une fois sur 6, il le fait pas bon. Quel enfer. Pardon hein, pour le cheat. Bah oui, le chat, mais je sais que tu veux venir et t'emmêler dans les fils comme tu viens de faire. Je sais. Voilà. Mais oui, petit chacha. Je sais plus où on allait. Je crois que c'est par là. Oui, c'est un peu par là. Oui, des portes... Ah, monsieur, vous êtes protégé, j'ai l'impression. Bonjour. Quel enfer, lui. Ah, on peut contrer. C'est bien ce que j'ai compris. Casse-toi. Thank you.
Comment on va là-bas, au milieu? Donc on fait... Alors, il y a le son, j'imagine que ça ouvre des portes, le son. On va s'occuper de lui, non? Ah! Je sens le bouclier dans pas longtemps. Voilà. Ah bonjour! Vous êtes pas du tout flippant avec votre lance. Voilà, nous on va par là, hein. LT, y'a quelqu'un? Oui. Et on vient d'ouvrir du coup un passage. Ok. C'est un passage plus rapide. On va peut-être aller chercher nos deux. Voilà. Bon, on va faire la protection. Et on va sauvegarde avant de partir. C'est par là la sauvegarde? Oui, c'est ça. En fait, c'est exactement le genre de jeu où tu peux pas vraiment faire une pause addiction, faut que tu t'arrêtes totalement de jouer, du coup. Bon, bah, bonjour. Là, c'est agréable quand même de pouvoir courir. Non, c'est pas par là. Excusez-moi, bonjour. Au revoir. Mais c'est pas par là non plus, qu'est-ce que je fais? C'est ici. Voilà, c'est là. Non, c'est pas là. C'est encore en haut. Oh là là. Non, mais je fais que passer. Bonjour. Non, c'est pas par là. Mais il est où le raccourci? J'ai débloqué un raccourci. Je sais même plus où il est. Ah, il est. C'est par ici. J'avais oublié que t'étais là. Excuse-moi. T'es caché derrière une porte. Hein. Laisse-moi faire. Oui, bah c'était ça, c'était un peu plus ou moins là en fait. Bon. Vous me saoulez, partez. Alors par contre, est-ce que ça fait une pause quand je fais ça? Non. Voilà, est-ce que tu prends ça toi? Ah oui, tu prends. Et si je t'en donne une deuxième? Voilà, ça marche bien, hein. J'ai une clé de la vieille maison. Trop bien. Oh, une tourelle. À l'enfer. Mais non, mais... Vous êtes sérieux? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, y a un truc en dessous. Et ça par contre, je peux, je peux l'attacher de l'autre côté comment ça se passe? Je comprends pas, on voit pas bien. Y a un truc en dessous. On pourrait aller en dessous. Bon, on va lui lancer une bombe, hein. C'est un cadeau. Ah, ça explose aussi. Quel enfer. Au moins, les mobs ne traversent pas toute la map pour t'attraper. Ça, c'est plutôt agréable, j'avoue. La dernière fois, je me suis fait courser par un squelette dans Dark Souls, j'en pouvais plus. Est-ce que ce serait une carte pour gagner de la vie, ça? Alors, ah si, ça y est. Voilà, attends. On essaie de comprendre, parce que... Ah, c'est une effigie! D'accord, je peux avoir le chapeau ou pas? L'effigie, c'est le petit truc qu'on récupère un peu de temps en temps. Il nous manque le bouclier, le bâton il a l'air très bien. La bombe. C'est une bombe? Ah, c'est une bombe gel, ok.
La bombe d'explosion avec qui ressemble à un pétard, la bombe de feu qui ressemble à une bombe de Zelda mais jaune. Les clés, bon bah ça c'est visuellement on reconnaît. Les fruits, ça doit donner de la vie. Piment rouge, ça doit donner du buff. Lierre, leurre, pièce d'or. Ok. Alors 2 minutes. J'arrive, je reviens. Bon pardon, j'étais occupé à libérer le chat qui a voulu revenir. Alors potion magique, objet magique, on a trouvé. Alors apparemment il y a un sceptre de Sailor Moon et ça c'est génial. Toujours les sceptres de Sailor Moon. Et je vais essayer de zoomer pour vous montrer le sceptre de Sailor Moon. Mais si vous connaissez pas Sailor Moon, best série ever, hein, j'ai envie de dire, c'est génial. Enfin peut-être pas best série ever non plus, hein, faut bien me comprendre. Mais parce qu'il y a quand même Super Nana à côté, qui est bien aussi. D'ailleurs, j'ai vu Turning Red, donc Alerte Rouge traduit en français, c'était pas mal aussi, c'était cool. Alors, est-ce qu'on peut zoomer? Je me rappelle plus comment on zoome. Voilà, merci. Donc ça, c'est le sceptre de Sailor Moon, hein, j'ai l'impression. Ou le sceptre de Tokar. Donc ça, c'est des objets magiques, apparemment on en aura. Oh, c'est beau quand même, hein, la qualité là. Et du coup, on a trouvé une carte, qui est des... Pièce d'or, ça donne des cartes. Et après, page 20. Sonner la cloche à l'ouest. Page 20, c'est quoi? On l'a pas la page 20. Non, on a entre 17 et 28. Ah, on peut rembarrer l'autobot. L'autobolt. On a les noms des méchants aussi, c'est cool. C'est un peu vite, hein. Je crois que c'est en 60p. Tell again. Non mais t'inquiète, t'inquiète. Alors du coup, ça on l'a débloqué. Du coup, il devrait y en avoir un peut-être là. Je vais m'addicter d'ici peu. Oh ouais, on est descendu. Oh. Mais regardez-moi, c'est magnifique en fait. Même l'eau qui est simplifiée, elle est belle. Quelle belle couleur. Non mais la couleur du... La couleur du sable avec la texture dessus, c'est juste incroyable. Très efficace, très très efficace. C'est beau, c'est beau. C'est beau, j'apprécie. Du coup, là, il y avait un truc en dessous. Ah, bonjour. Je n'ai plus de bombe. Non ! Il m'a kick direct. Alors que j'avais pas vu. Oui, le chacha. Oui, le chacha. Attendez, je me mute 3 secondes. Histoire qu'on évite d'avoir des bruits de micro briquet, quoi. Alors, hop, hop, hop. Non, c'est pas par là. On va essayer de récupérer nos âmes, hein, enfin nos vies. Notre thune. Je sais plus comment on dit de nos jours. Non mais par contre, je veux t'éviter toi. Au revoir. Ah non, tu me poursuis. Non mais, c'est pas possible. Oh là 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 là, quel enfer. Non mais il est revenu l'autre, le gros, là. Mais pourquoi j'ai le bâton? Ah, j'ai fait n'importe quoi. Oh, quel enfer. Je vais faire comme s'il n'y avait rien qui se passait. Bonjour. Oh là là, j'ai réussi à éviter tout ça, c'est magnifique. Oui. Mais, oh! Merci. Je vais prendre de la vie. Parce que je sens que je vais mourir là.
Quel enfer. Faut le taper là ? Non. Ah ouais, il est archi vénère. Je soupçonne que je peux contrer ces trucs, mais... On va aller acheter de la bombe, hein. On a pris ce qu'il fallait ici. Alors oui, c'est vrai que la map, c'est comment déjà? Ah oui, c'est une page de ça. Donc on va revenir sur la map, juste 3 secondes. Ok, donc on va aller à la vieille maison parce qu'on a trouvé la porte, la clé. Il n'y a pas de passage en bas, après le Autobot. Mais je pense que le Autobot, il protège un truc. Donc on va aller acheter des bombes. On va aller voir de l'Autobot, là. Bonjour. J'ai de la monnaie. Oui, le chat. On va en acheter 3. Non, on pourra en acheter que 2. Ah bah c'est très bien, 3. Merci, au revoir. Ça, c'est pas très pratique quand t'es sur mes genoux en train de tirer le fil. Hein. Tu sais? Bah oui. Oui, je sais. En tout cas, il y a un truc électrique qui passe. On sait pas trop ce que c'est. On va ouvrir. On va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un passage. Ah ! Bah, c'est ça le truc électrique que je parlais. Hein. Ça ressemble beaucoup à Eastward, ça. Ah, le bouclier ! Bah oui, je veux bien. Comment on équipe le bouclier? On peut pas? Il se passe quoi? Peut-être qu'il se met automatiquement en bouclier. On va voir si c'est un boss, là. Non. Un truc, une sorte de porte. J'imagine que la porte électrique, ça nous servira... avec les diapasons, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, hein, les clés. Les clés pour faire... voilà, ça. Faut que je les tape toutes, peut-être. Ça, c'est un objet magique, ça. Ça pue l'objet magique, ça. Non. Apparemment, non. Putain, il y a écrit un truc en crayon. Comment qu'on zoome déjà? Oh! Voilà. C'est écrit pour... Ça, c'est mes stats? C'est mes stats, les Fiji, elles me donnent de plus 8. Sérieux? Attendez, on va checker. J'en ai combien, là? J'en ai 2. Ah oui, il faut que je les casse, c'est des tirelires. Ok! D'accord.
Ça c'est intéressant. Et comment qu'on se parle? Ah oui, c'est quand on lock, peut-être. Ah. Ah, ça fait concentration plus esquiver. Et si je reste en RT, ça fait blocage. Ok. Bah bien sûr. Ah bah bien sûr. On va un peu plus loin que ce que j'avais prévu. Bon, vous là. On peut faire tout tomber, c'est trop bien. RT, c'est quoi déjà RT? C'est L? Ah oui, c'est ça, ok. On va tester. Ok. Ça prend de l'endurance. On prend une grosse barre d'endurance, quand même. Du piment. Danger, ok. Bon, ça sera pour plus tard le danger, du coup. J'ai envie de tous les faire en dynamite quand ils sont en haut. Ah, on dirait qu'il faudra monter le haut. Ah! Vas-y, tape. Ok. Moi, je l'ai pris. Ok, ça se passe comme ça, d'accord. Alors, je vais remettre la cam, parce que c'est possible maintenant. Enlever l'aperçu, hop. Et là, c'est bon. Normalement, on revient au jeu. J'ai pas trop de vie, hein, j'en profite. Ah, je suppose qu'il nous pousse dans l'eau, lui. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut essayer de se le faire ou il va nous taper sale? Ouais, il veut pas qu'on s'approche trop. Et là, on est au puits. Ok. Attaque-défense. Ah, ça me donne plus d'attaque là-dedans. Ok. Du coup, faut que je les utilise. Comment que ça se passe? J'ai plus d'attaque, tout simplement. Ok. Bon, on va débloquer tout d'abord. Donc on a fait tout le tour. On a trouvé le bouclier. Fluide silhouette, on a trouvé le bouclier. Et on a débloqué des raccourcis pour aller au puits. On va essayer de voir si on peut aller gérer le Autobot en bas, là, comme j'ai essayé de faire tout à l'heure. Et apparemment, je pourrais un peu jouer longtemps. Donc, on va peut-être faire des. On va peut-être avancer un peu, quoi. Bon, apparemment, il faut taper tout le monde. Hein. Donc, on va taper tout le monde. Et je soupçonne qu'on peut faire des combos. Non. Au revoir. Ça prend de l'endurance, hein, quand même, assez.
Oh là là, la vie. Voilà, merci. Donc ça, je sais pas comment on va l'actionner, mais... Pas tout de suite, hein. Ok, on passe par là. C'est tout doux. Tu sais, faut prendre son temps, c'est clair. Aïe aïe aïe, c'est beau. Est-ce qu'on essaie de faire le gros là? Il a pas l'air très compliqué. Toi, je te vois arriver. Si tu crois que je te vois pas arriver. Merci. On essaie de faire le gros. Mais quel enfer. En fait, on va pas le faire. On va pas le faire comme ça, en tout cas. Tu restes fixe? Mais reste fixe, y a pas de problème. Non, c'est pas ça, la touche, c'est ça. Tiens, un cadeau. Cadeau. Il bloque sur l'autre, ouais. Faut croiser les doigts pour qu'on trouve un chemin, une sauvegarde quelque part. Hein. Y'a que deux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, on peut le faire à la main. Ok, pratique. Donc ça, il faut l'utiliser aussi. Ah, c'était un leurre, mince, pourquoi j'ai fait ça? Voilà, bah le leurre, il a servi à rien. Je suis heureux. Je suis heureux. Et là, en fait, ouais, on est là où on était tout à l'heure, non? Ah! Il y a de la musique inquiétante. Et on peut pas aller là. D'accord. Mais je suis où? Ah d'accord. Ah on peut passer par... D'accord, ok. Bah merci hein. C'est bon à savoir. Faut qu'on aille sonner la cloche hein. Y a un moment où faut qu'on y aille. Alors du coup la cloche de l'ouest... Ah elle est... C'est pas loin de là où je suis arrivé. Ça marche. Bah bon, bonne fin d'après-midi, parce que ça va être ça, j'imagine. Bonne fin d'après-midi et kiffe bien. Ok, je pense qu'on est bien là. Bon, la cloche, elle doit être dans le coin. Mais alors, je sais pas exactement où. Et je sais pas si on est du bon côté. Ah! Je ne vous avais point vu.
vous. Je vais mettre une heure, je pense, pour la retrouver et deux pour revenir. Aïe! Merci! Bah ouais, pour l'instant, je kiffe, donc c'est cool. Ah, non! Ah, je vais devoir m'en débarrasser parce que je vais traîner dans le coin. Ah, Dane! Dane! Bon, je sais pas que faire hein, avec ça. Hein. Mais là, on est où, là? Bah ouais, on est pas loin du clocher, mais faut qu'on trouve l'entrée. Normalement, c'est là, l'entrée. Ah, je suis passé devant, peut-être. Oh, il y a l'autobot, là. C'est en haut. C'est en haut, je pense. Oh, y a l'autre gros là, oh là là. Non mais. Non mais. Deal with it. Poignardé dans le dos. Dur. Dur. Petit chat, je t'ai réveillé, pardon, tu dors sur moi, mais. Ah, tu peux. Pas de problème, merci. On va faire de l'attentif. Hein. Là, il y a un truc, là, un peu de... Non. Ah mais il est parti lui. Il y a plus d'autobot ici. Ça il est fatigué. Au revoir. Bon alors le clocher il est censé être là. Hein. Ouais il est censé être par là. Mais non, mais il est toujours là, lui. Mais non, mais c'est pas cette page-là. Qu'est-ce qui se passe? Mais si c'était bon, il faut juste que je descende. Je comprends pas. Par où je passe? Reste là-bas, toi. J'ai pas envie de voir. On est là. Faut qu'on aille là. On était déjà dans le clocher. On est passé dedans. Mais c'est juste qu'on n'a pas réussi à sonner parce que c'est en haut. Peut-être qu'il faut que je passe en haut. Ah, c'est possible. Ah, faut que je passe par la porte. Oh, c'est pas du tout le bon chemin, du coup. Bon, on va récupérer de la vie. Ni vu ni connu. Peut-être passer par le puits aussi, parce qu'on n'a pas testé le puits, mais... Monte. C'est vrai qu'on a débloqué plein de passages de l'autre côté, mais... Mais voilà, quoi.
Donc là, c'est le puits. Page 29. Qu'est-ce qu'ils disent? Je suis dedans. Je suis dehors. Il y a un boss. Bon, on va faire ça, hein. Écoutez. Ah! Des smorphs. Alors, à quoi vous ressemblez, vous? Quel enfer. Mais ça explose en plus! Ah, il nous donne de la magie, j'ai l'impression. Et ça nage. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? On sait toujours pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que c'est? À part que ça augmente des trucs, je sais pas quoi. Mangeons un fruit, voyons voir ce que ça donne. Faut que j'arrête d'appuyer sur... Ouais, ça donne de la vie. Ok, super. Ha ha! Je m'en doutais. Ah bah tiens, un fruit pour un fruit. C'est très bien. Du coup, là, on peut pas y aller. Oh... Moi, marrant. Ok, la map est limitée. Ça, petit chat, t'es bien posé. Mais ça m'a tout l'air d'être... Le pouvoir du feu. Ah non. C'est vrai que c'est une sauvegarde. J'avais oublié à quoi ressemblaient les sauvegardes à... LOL. Ah mais ça c'est quand il n'y a plus d'eau, c'est ça? Les émissaires, plus de questions que de réponses. Là on est là. Bon, c'est plutôt simple, le donjon. Décortiqueur, un oiseau sympathique qui adore déguster des vers. Bon, oui, mais non, on n'est pas des vers, nous. Je t'avoue, c'est pas toi qui m'inquiète. Voilà, c'est lui. Tu vois, il explose et il te fait mal. Comment on passe, là? Ah, il y a des petites marches, là, je crois. Non. Ça sent la mort, ça. Ah, il y a marqué, on sait pas où ça va. On ira tout à l'heure. Ah, le beat, là. Boum. 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 On peut pas aller là non plus. Par contre, on sait qu'on peut aller là. Ah non, c'est l'entrée là-haut. Ah non, mais... Ah, c'est plus bas. D'accord. Mais c'est pas ici? Ah si, c'est là. Boum. Boum. Autobot. Il m'a tué? Ah, j'ai cru qu'il m'avait tué. Salut Raving Bell, bonjour. C'était bien le petit jeu. On joue à Tunic ici. C'est intéressant, sauf les Autobots. J'ai plus de vie. Attends. Oh, une balle dans la tête! Bonjour! Comment allez-vous? J'espère que vous avez apprécié cette balle dans la tête, c'était dur. Alors, c'est une sorte de mélange de Zelda et Dark Souls-like. Et bien sûr, si vous ne connaissez pas Raving Bell, allez voir Raving Bell.
Hop. Je l'écris bien. Le 2. Hop. Hop. Bon, j'espère que c'était bien ton petit jeu. Ça s'est bien passé. C'était Céleste, avec une blague dans le titre. Si vous êtes dans les montgolfières, je pense que c'est votre, votre petit dada de faire des blagues entre lâcher du lest et... Oui, j'explique la blague. Oui, j'explique la blague. Oui. On est comme ça, ici. Eh, mais vous me suivez ? Non, mais vous êtes sérieux ? Depuis quand ça suit dans les... Non, mais toi, je t'aime pas, en plus. Ah, merci. Donc, comme je disais, c'est un peu un Dark Soul-like. C'est compliqué. On a un manuel qu'on trouve au fur et à mesure. Qui permet, je vais vous montrer. Voilà, c'est le, on trouve des pages de manuel qui est très beau. Je vous montre dès le début. Voilà. Beaucoup de sel, oui, tu m'étonnes sur, sur Céleste. Ouais. C'est pour ça que je n'y joue pas d'ailleurs. On a fini déjà de sonner la cloche de l'Est. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on a appris, du coup, avec les pages, comment jouer. Voilà, on a de la vulnérabilité, quand on fait les galipettes, on a une barre d'endurance qui nous permet de gérer nos galipettes et nos moments de contre. Et après, quand on est à zéro d'endurance, on clignote et on n'a aucune sécurité, faible stabilité, blessé plus, etc. On a réussi à comprendre à peu près à quoi fonctionnaient tous les petits objets. Voilà, on a trouvé pas mal d'utilité. Pour l'instant, on a de l'attaque et de la potion, par exemple. On n'a pas de PV. Voilà, ça c'est un peu l'histoire. On a été touché par la grâce, on est mort. Voilà la petite map qu'on peut zoomer. Salut Jijou, j'espère que c'est bien. Et regardez-moi cette qualité de map. Et nous sommes actuellement dans le puits, ici. Et on va voir la page 29... que le puits, ça ressemble à ça, et on est actuellement là. Regardez-moi cette qualité d'impression. C'est beau. Et voilà, il y a des slurms, il y a des autobolts, et les autobolts, c'est l'enfer. J'espère que Gigilou, ça va bien. J'ai vu que tu partageais encore ta bouffe sur un autre Discord, avec Nagual, en plus. Ah, mais je prends tous les coups, là. Pars. On a des potions, on en a 3 pour l'instant. En tout cas, là, j'ai vu que ça donnait des bons trucs de cuisine quand même. Hein. C'était pas mal, hein. ça donne envie. Voilà. Sur le Discord de Ring Bell, je précise. Non officiel. Officiel pour les officiers. Donc là, on va se débarrasser de lui parce que je dois traîner dans le coin. Et que c'est là où je suis mort comme un bleu. Oui, j'avais cru comprendre c'était le stream de hier, je crois, où Rainbell a parlé de la bouffe et que ça lui donnait faim, non? Je vais entrer mon style. Ça l'a eu donné faim. Ah! Ouais. Et un petit raccourci à la Dark Soul. Et oui, parce que c'est comme un Dark Soul, c'est-à-dire qu'on avance au fur et à mesure, on débloque des trucs. Et ça ressemble à Zelda. Vous avez remarqué le petit habit. Bon, c'est vrai qu'on est un petit renard tout mignon. Regardez-moi ce beau renard, c'est magnifique. Regardez-moi ça, il est trop chou. Nagual qui parle de bouffe tout le temps. Oui, bah oui, bah oui. Nagual qui tente tout le monde, d'ailleurs, sur sa bouffe. Hein. On va reprendre de la vie, parce qu'on a tout claqué, là. On va aller chercher de la vie. Et on va courir, on va faire notre Dark Soul-like. Ah, peut-être que sous la cascade, il y a un truc, d'ailleurs. On n'est pas allé vérifier. Et du coup, j'ai récupéré Tunic sur le Game Pass, là. Parce que je me suis réabonné. En vue potentielle de vous montrer des jeux un peu nouveaux, comme Tunic, d'ailleurs. Qui est sorti il y a pas longtemps. Parce qu'en général, je fais du... C'est vrai qu'on fait un peu du rétro gaming, même si le rétro gaming, c'est 2 ans, hein, apparemment. Bon, en fait, j'ai pas envie de vous... Non, mais en fait, vous nous suivez dans l'autre map, donc en fait, je vais vous prendre maintenant. Casse-toi. Et casse. Ouais, mais en même temps, là, il y a de quoi faire à manger, hein. Sur le stress actuel. Voilà.
Que faire? Voilà, bonjour. On passe ici. On casse ça. Et ouais, t'as vu? Alors, incroyable, mais vrai. Le graphisme est en mold pas mal, aussi. Et j'apprécie en plus la qualité de la texture. Ce qui veut dire que le jeu tourne... Ah non, mais j'avais oublié que toi t'étais là. On a des... Voilà. J'apprécie aussi qu'on joue un peu un Dark Souls-like, parce que j'ai recommencé Dark Souls, hein, je précise. J'ai recommencé Dark Souls, et j'ai fait un super perso. Et j'ai enfin compris comment ça jouait. Ce qui avait l'air compliqué, c'est-à-dire qu'il fallait augmenter ses capacités. Surtout d'armes, ainsi que de... Ce qui a l'air ridicule, hein, dit comme ça, mais c'est vrai que j'y ai joué sans avoir de manuel. Comme on dit. Restez dans l'eau, hein. Restez dans l'eau, je vous aime pas. Oh, non. Il y a un passage là? Vraiment? Non, c'est bon. Et oui, la RAM fait bien le travail, c'est-à-dire que là on est à 0,0% de perdu. Et ça, c'est magnifique par contre. Et ça, j'avoue. Merci à Ingbell d'avoir participé dans ce travail. En tant que prod. Ah non, mais si vous venez tous les trois, par contre, déjà, je vous apprécie pas, mais si en plus vous venez à trois, là, c'est pas cool. Vous explosez, les gars. On vous aime pas, hein. Dites-moi si le son est un peu fort, parce que en vrai, moi, je l'ai très fort dans mes oreilles. Et je kiffe le beat. J'avoue. Là, actuellement, on est dans la meilleure musique, je pense, du jeu. C'est un peu trop lo-fi à côté, sinon. On va débloquer le raccourci. Et on va voir ce qu'il y a. Par contre, le chat, tu tires sur le fil et là, ça devient compliqué pour mes oreilles. Ça te dérange pas de bouger un peu tes fesses, merci. J'ai le chat sur moi, donc si jamais je dis c'est à cause du chat, c'est à cause du chat. C'est mon excuse pour dire c'est à cause de la manette aussi. Ouais, j'avais la flemme de casser les trucs, donc merci. Ah mais j'ai plus de vie moi. Attends. En plus ça tire de loin. Laisse-moi partir. Quel enfer. Quel enfer. Petit fruit. Ah mais vous êtes tous en mode de protection là. Non mais si vous... En fait j'aurais dû appeler l'autre là. Lui là il m'aidait bien en fait. Soyez dans un couloir s'il vous plaît, merci. Mettez-vous dans le couloir, merci. Alors ça c'est un truc à apprendre aussi quand vous jouez à Dark Souls. Le monde peut vous avantager. Bon là il m'avantage pas du tout. Ah. Mais pourquoi tu tournes ton dos? Oh. Comment je peux me montrer mes strats de pro gamer si tu tournes le dos comme ça? Il y a quelque chose en bas là. Hein. Comment je fais quoi? Donc là je crois qu'on est à la recherche d'un outil magique. Je tiens à préciser que c'était compliqué d'avoir le... Enfin, compliqué. On est mort déjà rien que pour aller chercher le sabre. Et le bouclier aussi. Donc là, on va devoir traverser l'eau où on a vu qu'il y avait des choses dedans. Donc protégeons-nous. Protégeons-nous, plutôt. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Laissez-moi passer, s'il vous plaît, merci. Ah, il y avait un moyen de descendre. Bon, restez bien calme en bas, hein, s'il vous plaît, merci. Bon, au moins, on sait où c'est, quoi. Donc, c'est déjà ça. Est-ce qu'on essaye de les faire ou... On se dit, ça va, tranquille. La musique est bien, donc pas la peine. On va faire ça, hein. On va débloquer d'abord. Et on va revenir.
Donc oui, ça c'est, faut pas se voiler la face aussi. Dark Souls est aussi tourné comme de cette manière-là, c'est-à-dire d'aller débloquer un petit raccourci pour aller vite à la vie, si jamais on meurt, pour récupérer ses âmes. Tout est bien foutu pour que ce soit facile justement à faire ça, de manière à ce qu'on puisse justement avancer un peu plus loin. Donc là, par exemple, là on est un peu plus loin. Là, je pense que c'est le boss dans le coin. Donc on va revenir, on va essayer de taper le... Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Ça c'est un truc, je crois, qui nous aide à avoir de la vie ou quelque chose comme ça. Essayez d'être aussi fort, 3-3. Donc là ça nous donne défense, c'est bien, on a plus de défense. Et du coup là en fait je suis déjà... Il n'y a pas de pause aussi, j'ai oublié de le dire. Donc, ça on l'a fait. Donc là, on les a en bas. Donc on a 3 de potions et 1 de défense, 1 d'attaque. Et j'arrive toujours pas à me rappeler des boutons. Et là, je pense que c'est le boss ici. Si on regarde bien la map, ça devrait être le boss juste après. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Donc on a fait le tour. On va essayer de taper les tentacules. Voir ce que ça donne. C'est ici qu'elles sont les tentacules, c'est ça? Non, elles sont pas là. Ouais. Ouais. Elles sont là. Non, je suis mort juste en dessous. Ah, mais il y en avait 2. Oh là là, je vais mourir. Et je vais avoir du mal à aller chercher. Oh là là. Bon, on y va. Pas par là. Par là. On fait que passer, bonjour. Vous faites mal un peu. Et en fait, quand on est allé en haut, il y avait quoi de... déjà, je sais plus. Ah oui, il y avait eux, là, ils saoulent. Bon, au revoir. Et bah, il y avait rien d'autre, en fait. On a fait tout le tour, il me semble. Bon, bah, on repasse, hein. La vie qui s'en va. Quoi, je peux pas remonter? Quel enfer. Je suis plus caché. Ah, attendez, il y a de la vie à nécessaire. Non mais, lock le bon. Lock le bon, voilà, merci. Vous voulez pas vous faire tuer par les autres, là? Voilà, c'est mieux. Merci. Oh non, le tout. Ah, j'avais oublié. Ah là, merci. Merci de m'aider. Hein. Non. Bon, là, c'était... Là, c'est... Là, on meurt bêtement. On va devoir faire le boss, je pense. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça vous enlève de la vie quand même, ça. Wow, wow, wow. Ne vous emballez pas, s'il vous plaît. Un par un.
Eh mais j'ai plus de vie. Attends. Merci. Ah, t'es perdu. T'es pas au bon endroit. Voilà, merci, au revoir. J'ai compris. Ta faiblesse, c'est que tu n'aimes pas être sur un terrain que tu ne connais pas. Allez hop, comment on fait pour monter là? Bon, on sait pas. Peut-être qu'on saura plus tard, avec le boss, la fin. Le boss. Ça c'est quand même... Ça c'est pas bien de mettre des méchants juste devant. Là. Partez. Voilà, sans lock, pas de respect. Oh, vous êtes tous des méchants, c'est ça l'histoire? Vous êtes pas marrant. Oh là là, c'est vraiment ça. Allez. Très bien. Voilà, c'est bon. Ça a l'air d'être intéressant ce que vous protégez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. C'est du bleu. C'est une bombe gel. Ok. Ça sent qu'on va... Qui, ça bouge beaucoup, le méchant, là, qu'on va se taper. Voilà, on s'équipe. C'est quoi, déjà, le piment? Pardon, je tourne les pages, vite. Piment rouge, lierre. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Attaque PE. Ça augmente mes attaques, j'imagine. Ok. Point d'endurance, en plus. C'est pas mal. Exactement. Bah c'est un peu... c'est pour ça que je dis que ça... Il y a beaucoup de Dark Souls dans le système de jeu, mais il y a aussi beaucoup de Dark Souls dans l'utilisation des trucs, quoi. Donc on va voir avec le boss, hein. On va se buffer avant et lui balancer 2-3 bombes dans la tête pour voir ce que ça donne. On va tout claquer dans sa tête, quoi. Mais c'est pas un boss, ça. Où c'est qu'on est? Ah si, c'est... Ah non, mais c'est le clocher, c'est pas un boss. Si, le boss, il est là. C'est ça, le boss? Quoi? J'ai trouvé la lanterne de feu. La magie. D'accord, mais c'est pas le boss, hein. Ça me sert à quoi, hein? C'était pas le boss, hein. Le domaine de la grenouille, j'ai trouvé la page, mais je sais même pas où c'est. Qu'est-ce que c'est que la lanterne? J'imagine que c'est un objet magique. Ah oui, oui, c'est ça. Et comment j'équipe? Je peux pas l'équiper. Ah, je mets du cœur, en plus. Oui, ça a l'air d'être bien. C'est vrai que si je trouve des trucs, ça serait bien de... J'ai lancé une bombe. Oh là là. Faut que j'arrête de miscliquer. Hein. J'ai envie de cliquer sur tout à chaque fois, donc... Mais c'est censé être par là, le boss, je comprends pas. Ah, la lanterne, c'est la lumière? Je fais juste de la lumière en plus. Du coup, je vois dans la nuit, c'est ça l'histoire? Quelle idée. Bon, après, je dis pas non, hein. Ça sert, des fois. Mais on va se devoir se rattraper tout ça. Ah, mais oui! Voilà, maintenant, je sais où est le boss. Lol. Bon. Est-on équipé de tout? Oui. Ça a l'air bien. Allez, on y va. On va voir ce que ça donne. Alors, déjà. Petit piment dans ma tête. Cadeau. C'est pas le boss, ça? J'utilise mes trucs pour rien. Il n'y avait pas la barre de boss. Quel nul! C'était pas un mini-boss. Ah, je casse tout. Bon, bah, tant qu'on est busté...
Ah oui, mais c'est ça, il y a la clé, je vois pas, je regarde pas. Bon, bah, allez, c'est parti pour le boss, hein, j'ai envie de dire. Ah, bah, il y a de la vie, il y a une page, il y a tout. La vraie vie. Qu'est-ce que c'est que cette page? Sous la terre. Sous le puits et sous la terre. Donc là, on est sous la terre. C'est horrible les monstres qu'il y a l'air d'avoir dans la page 30, là. Et on a, grâce à la lanterne, on peut faire ça. Ok, super. Du coup, c'était pas un boss qui était... c'était un truc. C'était pas vraiment un boss, en fait. La direction, c'est le boss. Bon, du coup, on a claqué de la glace pour rien. Dane. En tout cas, on l'a utilisé. Ça peut aider. Ah. Ne vous levez pas, hein. Fait que passer. Donc là, c'est dehors. Ça me donne accès à où? Ah oui, d'accord. On est passé par là, déjà. Je suis là. Tombeau sombre. On n'était pas rentré parce qu'on a dit ça fait peur. Ouais. Bon, bah, ok. Bon, bah, go, hein. Go représenter, hein. La lumière, elle est en option, ici. La lumière. Attends, je l'ai... Elle est équipée, la lumière. Un moment, s'il te plaît. Reste avec ma vie. Oh. Je vous aime pas dès le départ. Oh lolo. Ça tape fort. Non, ça va. Bon, un par un, s'il vous plaît. J'ai dit un par un, vous êtes pas sympa. Oh, la musique qui met la pression. C'est le bordel de l'ombre, là. Oh, c'est un piège. Eh, je vous ai vu. Oh non. Me dis pas que je vais devoir faire l'aller-retour. Parce que lui, il va se réveiller. Pars. Ah non. Attends. Est-ce qu'on peut faire la technique du... Tu prends le piège. Ah, c'est moi qui ai pris le piège. Lol. Voilà. Voilà. Ah non, mais... pourquoi deux fois, hein? Ça, j'apprécie les jeux qui sont conscients d'eux-mêmes. Toi, vas-y, viens. Ah, vous êtes trop épais, hein. Moi, je suis trop petit, hein. Hihihihi. Donc là, on peut passer par là. Bonjour. Il y a des trucs ici. Bonjour. Bonjour. Ah. Oh, ça a l'air énorme. Ah, la musique est bien. Non, mais moi, je suis bien posé, là. Merci. Si on peut éviter d'utiliser des armes, tant qu'à faire. Ah. Oh. Vous pouvez venir, vous voler, mais vous allez vous prendre les pics quand même, hein. En plus, vous allez vite. Allez, venez. Voilà, merci. Au revoir. J'ai l'impression qu'on va débloquer un pouvoir, hein. Je dis ça, je dis rien, mais... Si on arrive à avoir accès à la lumière... Sur l'utilisation du piège, hein. Eh, alors là, l'angle des pics me font penser à un passage dans Little Big Adventure. Je sais pas si vous y avez joué. Un jeu Eidos, peut-être, je crois. Français. Efficacité sur 50%. Oui, exactement. Et flemme accrue, d'ailleurs.
Et du coup, ouais, il y avait un passage comme ça, et vu qu'en plus, c'est aussi comment ça s'appelle ? Je peux pas avoir accès à ce truc-là. Ah non, mais je suis dégoûté par contre. J'ai pas fait tout ça pour pouvoir recommencer là, dans 500 ans. Excusez-moi. Oh là là. On peut vraiment pas y avoir accès. Hein. Vous pouvez pas appuyer sur... Y a pas un petit bouton ? Mais ça a l'air vachement intéressant pourtant. Faut aller par là ? Non. Et donc Little Big Adventure, c'était à peu près dans le même positionnement de caméra. Et en fait, il y avait un moment où il fallait courir pour pouvoir passer plusieurs ennemis. On est plus dans une prison, mais c'est un moment où il y a un pouvoir magique à côté. Peut-être qu'on refera, parce que moi j'avais bien avancé, j'avais été bien à la fin, en étant très petit. Et du coup, le truc, c'est que, ouais, bah... C'était compliqué, quoi. Et du coup, je me prenais les pics H24, parce que voilà, quoi, la vie. Mais je crois que le boss, il est derrière la sauvegarde, en fait. Ça doit être ça, hein. Ça doit être pas là, non ? Non ? Non. Y'a pas de boss, en fait. Le boss est dead. Bon. On n'a pas sonné le truc, hein, je précise. Et je sais pas où il est, en fait. Il faut qu'on aille sonner la cloche de l'ouest. Et je comprends pas la map. Alors, nous, on est en dessous de ça. On est actuellement ici. Là où il est censé y avoir le boss. Sauf que, on a appris que ici... Ah, faut que je pose des crânes pour pouvoir ouvrir la salle d'en bas. D'accord, j'ai compris. Dane, on va devoir refaire le passage du piège. Oh là là. Pardon, excusez-moi. Je sais pas comment on pose d'ailleurs, mais on va essayer de faire. Non mais la tombe sombre, franchement, après avoir trouvé la lumière, s'il vous plaît. Respectez-nous quand même. C'est abusé. Oui, bonjour. Voilà. Je veux pas mourir. Mais comment on pose le truc? Je comprends pas. Aïe. Aïe. J'ai eu mal, Bobo. Désolé, hein, je vous remontre tout l'enchaînement qu'on a fait, hein, mais j'ai pas compris. Ah bah. Ah bah si, il est là. Fallait que j'appuie sur A. Bon. Peut-être qu'on aura la lumière. Hein. J'essaye d'alpaguer le plus de monde. Hein. Ah oui, c'est la lumière. On appuie sur la lumière. On va se débarrasser d'eux. Tu veux pas mourir ? Non mais... Ça descend, ça monte, ça fait quelque chose. Ah, j'ai failli mourir. Mais monte les escaliers. Il se passe quoi là? Ah, les escaliers sont plus longs. Ok. Merci. Oui. Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est pas là, c'est là. Mais on sait pas ce que c'est. Il y en a un qui me donne de la vie, clairement. Mais l'autre, il fait quoi? Je peux taper quoi avec ça?
Est-ce que vous avez compris cette carte? Je comprends pas. Qu'est-ce que veut dire cette carte? Page 20. Non, c'est 20. Ils disent 20. Il y a 20 trucs, mais on l'a pas la page. Oh, c'est le boss final, ça? Forteresse de la Chambre de l'Est. Mais c'est, on l'a même pas vu. C'est ça, le boss? Mais il y a... Ah oui, d'accord, faut que je descende maintenant. Bon, bah, on descend. Hein. Ok. C'est bien, on décrypte un peu, c'est cool. Eh ben, sûr. Je viens prendre... casser toutes vos poteries. Et récupérer de l'argent que vous avez caché dedans. Oh là là. Ça a l'air d'être un puzzle. Heureusement que Rigmel est dans le coin. Là, du coup, si je passe là, ça me fait descendre. Ouais, je décrypte dans décrypte. Exactement. Parfait. On va par là, parce que c'est toujours aller dans le sens où on voit rien. J'ai enlevé les flashs, mais ça flash, hein, quand même. Ouh là là. Bonjour. On se connaît, non? Tu veux pas venir sur les pièges? Comme tout le monde? Voilà, viens. Je suis là. Je suis là. Bon. Apparemment, je tape plus fort. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Bonjour, je te vois là, de dos. Là. Tu veux pas venir? Je trouve des objets cachés, je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord. De la vie. Il faudrait que j'aille la remplir pour pouvoir en avoir plus. Ça, j'ai compris. Ça, c'est clair, c'est bien, il n'y a pas besoin de traduire ou quoi que ce soit. Ce qui est marrant, c'est qu'ils auraient pu, du coup, le laisser en anglais. Hein. Je crois que c'est en anglais, originellement. Mais ça, c'est très très bien. Hein. Au niveau de l'accessibilité, le fait de ne pas avoir de langage à proprement parler, va mourir là-bas. Allez, viens. Voilà, salut. Bonjour. Je peux exploser aussi vos têtes hein, avec une bombe, mais bon... J'imagine que c'est plus intéressant de ne pas faire. Bonjour. Voilà. Ici. Je suis là. Je suis actuellement ici. Pars ! Oh là là. Tu veux pas mourir, en fait. Ils font le chemin. C'est incroyable. Ils font le chemin, ils connaissent par cœur. C'est chez eux. Quel mob... Ils ont dû se rappeler en même temps hein, de que tu chemin, remarque. T'habites ici, tu sais. Hein. Alors que nous, pas du tout. Bon, c'est le boss ici ou... Ah non, là c'est le... Ah mais... Non, ça c'est pas ça. Nous on est là. On est actuellement là. Et on va passer là. Donc là, il y a un petit bouton, on dirait, sur la main du deuxième. Donc, bonjour. Ça, j'imagine que ça me fait mal. Tiens. Je vais même pas essayer. Donc là, ça me prépare à ça, justement. Comment je fais pour me débarrasser de tout ça? Ok. Ok. Ah oui, d'accord. Non mais regarde, il y a lui là. Tue-le. Merci. Voilà. C'était très gentil de votre part. Fais gaffe ta vie. Ouais. Je fais pas suffisamment gaffe, ça c'est vrai. La lumière est incroyable. Je suis éberlué. Texture, lumière, tout est beau, tout est bien. Ça a l'air de puer le caca aussi à côté. Donc on va aller appuyer sur son bouton, là. Je vais où, là? Pourquoi je disparais? Ah, si je continue et que je tourne...
Ah, j'ai trouvé un truc. Ok. Je ne sais pas du tout où je suis. Hein. J'ai réussi à avancer. Il faut que je continue. Je marche. Ouais, on continue. Mais là, je bouge plus, là. Je descends. Parce que Ah, ça y est. Ok. J'ai pas compris trop qu'est-ce que ça servait, mais d'accord. En fait, là, le truc, c'est que je comprends pas si on monte ou on descend, donc... J'imagine qu'on monte, en fait. Je monte, je reste en haut. Et là, ça s'arrête, ok. J'espère que vous entendez bien, parce que moi, j'entends de loin. Petit pas de renard. Et donc, du coup, là, je suis censé te donner. Comment je te donne? T'es un peu haut. Faut que je sois en haut pour te donner? Comment ça se passe? Regardons ce que c'est. Non mais c'est pour moi ou c'est pour... je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que c'est? Une pièce d'or. Ok. D'accord. J'ai pas compris. Bon. On va mettre ça ici, hein, les bombes, au cas où. Ah oui. Oulala, ça a l'air complexe. Oh! C'était pas très compliqué. En fait, c'était pas très compliqué, mais... Il faut le capter, hein. Hop, on va claquer notre... pour avoir de la thune, notre tirelire, bim. Voilà, merci. Désolé pour le retour. Non, c'est pas ça, c'est ça. Mais, oh! J'arrive pas avec les boutons. Ah, mais j'ai perdu trop de vie. Il me restait un point de vie. Lol. Donc là, y a rien. Là, y a rien. Ça, c'est pas très intéressant. Là, y a une clé. Oh! Mais qu'est-ce que je suis bête? La lumière fut dans ce tombeau. C'est trop joli. J'apprécie la qualité. Le piège. Et qu'est-ce que c'est après? Parce que ça pue du cul, hein, votre truc. C'est quoi après? Mais attends, mais j'ai trouvé quoi exactement dans le truc là pour pouvoir être aussi heureux? Comme si j'avais réussi à faire quelque chose de bien? Rien, hein. J'ai trouvé quoi? Rien. Pas de truc intéressant à part de la thune. Et je suis là. D'accord. Donc là, on a vraiment fait le tour du truc. De ce truc là. Ok, j'ai de la défense en plus. Et je suis dehors. Et on arrive normalement à côté du clocher. Il se va de trou. Trop de thunes, hein. Oui, c'est ça. Faut monter. Ah, bah, c'est tout. Ah, ah non, la bombe. Je vais tout de suite enlever cette bombe. Voilà.
Et je vais la mettre pas sur X, parce que j'ai l'impression que X, c'est un peu mon défaut. Enfin, B. Lol. Claquage de ressources pour rien. Bon, bah, voilà. On n'a pas vu de boss, hein. Peut-être que le boss, c'était vraiment le boss, hein, le gars que j'ai tapé. Waouh. Mais on veut juste sonner la cloche, nous. Il y a un truc ici. Non. On a trouvé une pièce d'or, on sait pas à quoi ça sert. C'est trop beau. Mais trop beau. Bon, allez, salut. Moi, je veux sonner la cloche. C'est par là, la cloche. Oh. Mais c'est moi. Ici, j'ai le héros. Je suis le héros? On se ressemble quand même. Il se va de trou. Suis-je le héros qui est mort? Bon, alors comment qu'on va la cloche là? Parce que c'est bien beau tout ça, mais. On veut monter en fait. On va devoir regarder la carte. Mais c'est quoi cette map là en haut? On l'a pas vu cette map là? Ça en a fait. Ça en a fait. Ça on sait pas où c'est. Ça on sait toujours pas où c'est. Ça là, le truc de la grenouille, on l'a pas vu. Nous, on est là. Ah, on est vers le jardin de l'ouest. Ah, c'est même plus... On est même plus sur la map, on n'a pas la map. Ok. Bon, bah... On est au jardin de l'ouest. On découvre. Il y a plein de portes qu'on n'a pas ouvertes, en vrai. Ah, bonjour. De la vie. On est passé dans le puits pour pouvoir arriver ici. Il doit y avoir un raccourci, quand même. Allez, puits, je pense que ça va être des téléporteurs. Alors, au bout d'un moment, on va comprendre le jeu. Pour l'instant, j'apprécie qu'on ne comprenne pas tout. Oh, la map. Je suis sûr que c'est la map. Allez, on va chercher la map. Oh. Bonjour, monsieur le croco. Oh je te permets pas. Merci. On dirait le King Croc de Anton Daniel. Croc. King Croc. Mais on n'a pas du tout de potion. D'accord. Mais, ah oui, mais c'est vrai qu'on a deux pages du coup. Ouais, voilà. Champignon toujours affamé, il court rapidement mais change lentement de trajectoire. Dangereux en groupe. Ouais, ça je me doute bien. Du coup, nous sommes où? Nous sommes là. Et le boss, il est là, en haut. D'accord. Mais nous, on veut arriver là en fait. On voulait aller au clocher. Qu'est-ce qu'on fout ici? Poignard magique? On va aller chercher le poignard magique. Bon, on continue par là et on va aller chercher le poignard magique. ok. Trop bien. Les passages de... Le monde est bien foutu, hein. L'écosystème, comme on dit. Bon, il n'y a pas vraiment d'écosystème, mais... Que de la thune. On a trouvé que de la thune. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ressemble à quelque chose, mais ça marche pas. Ok, peut-être qu'on aura un petit truc qui nous permettra... Ah, là-haut. Ah ouais, non, mais pour un full voir, là. Ok. Donc, on peut descendre. Il n'y a plus de méchants, ici, hein, n'empêche, hein. Peut-être qu'on est trop bas niveau. Ils ont dit les méchants, c'est fini. Les méchants, c'est fini. Pourquoi on peut aller par là si le but c'est juste de voir ça en fait? Étrange. Ok, on va dans ce sens-là du coup. Ok. Raccourci. Très bien.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? On sait pas. On le saura plus tard. Donc là, on est là. On va refaire pop notre ville. Hein. Là, c'est où la vie déjà? Je sais plus. C'est là. Hein. C'est loin, en fait. Mais c'est archi loin. Où est la vie? Mais la vie, elle est pas là. Je comprends plus. Où suis-je? Je suis là. Oh, il y a même les agrafes, mais quel truc pointilleux, quand même. Hein. Bon, bah, disons qu'on n'a pas de sauvegarde, en fait. On n'a pas eu de sauvegarde depuis tout à l'heure. C'est loin. Ok. Bon, là, on a trouvé ça. Ok. On descend. Descend. Ok. De la thune, again. Mais qu'est-ce qu'on fout là, en fait? C'est même pas écrit sur le truc. Oh là là. Ça, c'était un secret. Cassage de secret. Ok. Du coup, comment qu'on monte? Moi, je veux bien savoir comment on monte, hein. Comment on monte ici? Ah oui, c'est en montant, bien entendu. C'est vrai que je suis descendu tout à l'heure. Voilà, par ici. Ah, mais c'est fermé, c'est cassé. Faut que je fasse le tour. Il doit y avoir un autre passage en bas. Ici, quelque part. Tum, tum. Bah, l'eau? Non, l'eau, on a déjà fait. C'est trop beau. Je suis désolé, mais là, le orange avec le bleu... Ah là là. C'était ici. On peut pas passer. En fait, du coup, je comprends pas. Comment on allume ce clocher, là? Vite. Je vais devoir revenir au début. C'est ça qu'on va faire, en fait. On va revenir au début, et on va essayer de sonner la cloche. On n'est pas passé par là, je crois. Si? Si, si. Y a rien. Y a que de... Bon, on va faire le... On va essayer de suivre le chemin du jeu, parce que j'ai l'impression que le jeu, il a dit non. Et là, il y a quelque chose derrière aussi. Non? Non. 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 Mais c'est ça, la sauvegarde. On l'avait vu. Ah là 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 là. Donc, on est là. Apparemment, il y a un truc là. Un trou. Ok. On n'arrive pas à aller au poignard magique. Mais par contre, nous, ce qu'on voulait, c'était souvenir de la cloche Est, là. C'était justement d'aller sonner la cloche. Sauf qu'en fait, on a fait que le jardin de l'Ouest. C'est n'importe quoi, ça. Même pas ouvrir cette porte. On a même pas de pouvoir magique, alors qu'il nous parle de pouvoir magique. On est passé dans un truc où il y avait des gens qui tapaient... quand tu les tapais, ils donnaient de la magie. Attends, il est où le trou? Il est là? Ah, il était avant, attendez, parce qu'il y a un trou. J3 suggère de l'encens et de l'essence pour allumer le clocher. C'est pas faux. Alors du coup, comment s'appelle l'outil? On est à l'intérieur d'un truc là. Waouh, j'ai trouvé quelque chose. Je suis passé au-dessus. Est-ce que c'est un raccourci? Je ne sais pas. C'était juste pour ça. Ah, plus de défense. Radical, j'avoue. J'avoue, en général, les cloches, ça fonctionne un peu comme ça. Mais là, ouais, du coup, j'ai du mal à saisir le chemin. Mais je pense que c'est fait exprès. Tac, tac, tac. Bon, ça, on a trouvé un autre petit secret. Et du coup, on a trouvé une autre carte. Mais la carte, c'est une carte de défense. Pour l'instant, on n'a pas forcément besoin, parce que la défense, c'est cool. Non, mais la carte, elle est où? Voilà, merci. Moi, je suis caché quelque part là. Voilà. Faut que je revienne jusqu'ici. Exactement là. Sauf que... Il me disait... Qu'il fallait que pour le chemin, c'était quoi? Vieille maison, puits inondés, tombeau sombre, jardin de l'Ouest. Mais c'est bon alors, je suis dans le bon chemin. Je comprends pas.
Je suis dans le bon chemin. Mais ça, c'est quoi, le monde supérieur? Mais ça, c'est la baleine qui dort, là, la baleine qui rêve. Je suis dans le bon chemin. Bon, alors du coup, on reste dans le coin, mais je comprends pas. On a l'air bloqué de partout, mais en vrai... On est resté ici. Là, il y a quelque chose, là? Non. Non. Faut qu'on réussisse à monter, en fait. Et j'ai du mal à saisir. Là, on peut pas monter. Lui, il est en haut, déjà. Là, on arrive ici. On est en haut. Et on est allé par là. Et on pouvait aller là-bas. Et j'ai dit, mais à quoi ça sert si on peut pas aller nulle part ici? Il y a un chemin, il y a quelque chose. Ça, c'est quoi? Ah, mais oui, il y a un chemin! Mais c'est quoi ce truc? Oh! Tu veux pas tuer le champipi? Non, mais vous êtes des drones de défense ou quoi? Non, mais laissez-moi tranquille. Voilà, je pars, salut. Non, mais je vous blaire pas en fait. Salut. Non, mais j'ai dit que je vous blairais pas. Au revoir. Mais tu vas te calmer! Ah, il m'a gelé, mais quel enfer! D'accord, donc c'est des dégâts de feu ou des dégâts de glace, les drones. Ok, super. Quel jeu sympa. On trouve un chemin, on se fait défoncer. Ça paraît logique, hein. Il y a une logique dans le truc. Mais je suis archi loin ou c'est moi? Non, c'est bon, c'est le bon chemin? Non, c'est pas le bon chemin du tout. Salut, au revoir. Peut-être que la défense, en fait, fallait que je la booste, hein. C'est quoi le chemin, déjà? Je m'en rappelle plus. Attendez. Mais la carte, là, arrête de craquer. On est là. Oui, c'était avant. Ok, donc, du coup. Le boss, c'est un robot. On va changer ça, on va mettre de la défense. C'est toujours mieux. N'oubliez pas d'utiliser de la vie, bien entendu, dans la vie. Mon âme. J'ai récupéré mon âme. Est-ce que j'ai des bombes par hasard? Oui, j'ai des bombes. On va utiliser des bombes. On va jeter sur le champignon croco, là. Tiens, meurs! Meurs! Meurs de feu! On voit même pas les combats tellement c'est... tellement je me cache, quoi. Prendre une deuxième potion. Et voilà. Et là, il y a les drones qui vont arriver. On va essayer de se les faire. Alors, comment qu'on fait? Ça va servir à quelque chose, ça? Je sais pas. Les drones, bonjour, vous êtes là? Vous êtes mort? Vous êtes peut-être mort dans le feu, hein. C'est possible aussi. Ah, ça sent le piège. Oh! Oh! Ah, ils ont réussi à geler leurs potes. Ah! 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 Pourquoi j'ai fait ça? Oh, 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 joli! Bien visé, hein. Vas-y, renvoie le truc. Non, mais tu sais pas viser, là, par contre. Non, ça fait rien. T'es coincé dans le coin. Comme ça qu'il faut faire avec les drones, hein. Faut les coincer dans le coin. Hein. Ok. On a utilisé masse de vie, hein, par contre. Hein. Note à moi-même, utilisez moins de vie la prochaine fois. Et du coup, je peux pas l'utiliser, ça sert à quoi? Le truc bleu là, je peux pas l'utiliser. Mais ça doit... Ah, mais c'est parce que ça doit être de la magie, et vu que j'ai pas de magie, ça me sert à que de... Non, parce que... voilà. Ça me sert à que de... Oh là là, quand même, c'est quand même un beau personnage.
Petit... on peut descendre là? Non. Ils ont dit c'est dangereux en groupe. Hein. Ça m'a tout l'air dangereux en groupe. Ils se mangent entre eux? Vas-y, vas-y! Attends, j'ai besoin de vie. J'ai... Laisse-moi vivre! Laisse-moi vivre, wesh! Tu fais quoi? Pas sympa, lui. Ma vie, elle est morte. Toi, si tu restes là bien à taper, moi je suis pour. Hein. Voilà. La technique du « je suis en surplomb », la technique de Anakin. Ou d'Obi-Wan, comme vous voulez. Alors là, nous, on est à la base, à la recherche d'un truc magique. Voilà, hop, ici, quelque part, là. Hop, nous sommes ici. Ce n'est pas fini, on risque de mourir toutes les 6 secondes. Hein. En fait, ce serait bien de savoir où est la suite, là. Pour pouvoir sauvegarder, c'est en face. Oh, quel enfer. C'est trop long. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Ah si, on peut marcher. Bon. Toujours agréable. Faut qu'on arrive au-dessus sans se faire tuer. Ce qui va être un peu complexe. Oh! Non mais restez là. Non, s'il vous plaît. Merci. Mais approche-toi, wesh! Tu bourres! Voilà, c'est bon. Non mais viens te coincer dans un coin. Merci. Écoutez, au revoir. Non mais je t'ai vu le drone. T'es pas sympa. Je te le dis. Non mais en plus il essaye de me tirer dessus dans le dos là. Laisse-moi passer. Voilà, merci. Ça c'était la technique. Et du coup là on est là. On sait pas pourquoi. Mais on est là. Et du coup le poignard il est pas loin. Hein. Il est juste au-dessus. Bah ben, on va aller chercher le poignard. Bonjour. On cherche de la magie. Connaissez-vous de la magie? Ah, c'est un peu ramé là. Wouah, il est énorme! Il y a ton pote derrière, j'ai pas envie de continuer. Mais on l'a déjà fait, lui. Mais pourquoi tu l'as réveillé, ton pote? C'était lui que je voulais pas, en fait. Hein. Toi, ça va encore. T'es Gérard. Écoutez, on va passer par ici. Ah, merci. Oh. Oh, poignardé dans le dos, non! Ah oui, non, mais en fait, après, ils étaient en train de se réveiller pour pouvoir me taper dans le dos, aussi. Ils sont vraiment... Waouh. Les placements, là, tout ça... Ils sont pas cool, les gens. Oh non, mais ils vont venir. Oh là là. Mais restez là, hein. Oh, la vie. Mais... Restez... Ok, c'est bon. On voyait rien. Je tiens à préciser, on voyait que dalle. Merci. Je vais chercher le poignard magique, hein, parce que ça a l'air d'être libéré là-bas. Oh, quelle fausse joie. Ah non, mais c'est dans une grotte.
Ça va être l'antre de la grenouille. Ah non. Le poignard magique est entre nos mains. On va enfin pouvoir invoquer. Je sais pas. je sais pas à quoi ça sert. Voilà, le poignard magique. Ah, on peut l'utiliser 3 fois. Ok. Est-ce qu'on a une barre de... Non, on a pas de barre. J'adore l'animation du buvage de potions. Appréciable. Hein. Ok. Bon, allez, on va recommencer. Et on va tester notre poignard magique. Yata ! Oh ! C'est bourrinos. Ça sert à rien de l'utiliser contre ça, mais c'est bourrinos. Incroyable. Donne-moi de la magie. Il est où le grand ? Je peux pas l'utiliser. Pourquoi je peux pas l'utiliser ? Pourquoi je peux pas l'utiliser ? Oh, mauvais côté. Ah, je l'ai bloqué. Un peu de napalm maison pour le clocher. Ouais, bah pour l'instant, on n'en est même pas là. C'est bien, je regarde l'image, ça rend bien en fait. La qualité du jeu est trop bien. Je te file la recette si tu veux. Alors non, rappelons que les recettes, suite à Life is Strange, les recettes de bombes sont interdites sur ce stream. Ça s'appelle la loi Life is Strange. Enfin, on va pas appeler ça une lune ou loi, on va appeler ça une règle, c'est mieux peut-être, non? Toi, là. C'est archi bourrin. Archi bourrin. La Life is Strange. C'est très bourrin comme poignard, mais en fait tu peux l'utiliser que 3 fois, ce qui est pas incroyable. Bon, là on est là. On est heureux. On est face à une porte qu'on ne peut pas ouvrir. Je suis content. Voilà. Mais voilà, on peut passer par là, ça c'est cool, en coupant des trucs, tu vois. Et au bout, il y a un coffre. Ok. Est-ce que vous savez à quoi sert la feuille ? Eh ben, on sait pas. Il y a marqué 300 de quelque chose, mais on ne sait pas. Il y a une échelle aussi. Oui, je vais aller chercher l'échelle. Mais Ouais. On ne sait pas. On a une dent, ça augmente l'attaque, ça on sait. Ah, on a un raccourci. Par où il s'ouvre? Oh, pourquoi par là? Ah oui, c'est un raccourci du raccourci, ok. C'est un raccourci à côté du raccourci, c'est quoi, c'est cool. Ok. Est-ce qu'on va directement vers le clocher? Est-ce que c'est un boss? Ça pue le boss, ça sent le boss. Il y a une odeur de boss, c'est un boss. Ok, on va sauvegarder. Parce qu'on n'a plus beaucoup de mana. Et je pense qu'on va en avoir besoin. Ça vient d'où, mana, d'ailleurs? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a plus le point d'exclamation Wikipédia ici. Alors qu'avant, il y en avait un. Et ça, c'était beau. C'était la belle époque de ce stream, quand même. Où Streamlabs avait autorisé qu'on fasse des points Wikipédia pour pouvoir donner les infos. Et là, je crois que ça n'existe plus. Il est toujours actif, hein, si ça refonctionne. C'était un truc en bêta. Ah, mais c'est horrible le bruit, là! Casse-toi! Le chevalier du jardin. La musique est archi bien. Je veux bien ton pistolet, par contre. Thank you.
Je suis choqué, mais pas déçu. Jean de son prénom, exactement. Je suis... Faut que j'arrête de cliquer sur n'importe quoi. Je suis choqué, mais pas déçu. J'adore le design du boss. C'est... Je suis désolé, mais toutes les pierres magiques me font kiffer. Par contre, le bruit, là... Tu crises un peu, hein. Par contre, les coups, là, comment je l'évite? Ah oui, il faut que je fasse ça. Il m'écrit dans les oreilles. C'est un délire. Vous me dites si c'est trop fort, hein. Parce que là, on va devoir se le faire en boucle. Je vais peut-être baisser de mon côté, hein. Je suis désolé, mais là, moi, je die. Je l'évite dans la mort, ouais, c'est ça. C'est une manière de jouer, hein. Alors, normalement, le son est plus bas, mais j'ai l'impression que ça n'a pas du tout baissé. Attendez. Oui, c'était pas le bon côté, ok. Parce que j'ai deux côtés. J'ai les alertes. Et pas les alertes. Voilà, là j'ai une petite musique d'ambiance. Et le cri strident de ce méchant ne sera pas violent pour moi. Et du coup, je vois plus le chat. LOL. Ouais, c'est bon. Normalement, ça n'a pas baissé pour vous. Attendez, est-ce que je peux prendre juste ni vu ni connu et je pars? Ah non. LOL. Ah oui, attends, on va regarder toutes tes strats, s'il te plaît, si ça te dérange pas. Je connais Monster Hunter. J'y ai joué. Oh, 1, 2, 3. Oh, sale. Oh, vas-y. Tiens, un cadeau. Oh non, mais tu t'as reculé. Pourquoi t'as reculé? Est-ce que t'as un truc, genre... Derrière, ça fait plus mal? Non, pas du tout. Ah! Ah! Ça, on peut attaquer quand on évite bien. Ok. Ok. J'ai l'impression que ça va être compliqué, quand même. Oh non, je l'ai évité. Je l'ai évité, ce truc-là. Quel enfer. Je tape pas. Remarquons que je ne joue pas, en fait. Hein. Je ne joue pas. Là, le but, c'était de voir les strats. Et ça, c'est bien vu, je trouve. Je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, ça m'a pas crisé dans les oreilles. Donc du coup, je n'ai pas eu la pression. Mais on va jouer. On va faire le boss, parce que là, ça a l'air d'être le gros boss, le premier, déjà. Parce que le premier, il était un peu plus simple. Là, il a l'air un peu plus vénère. Je vais faire comme toute bonne strat dans Dark Souls, c'est-à-dire me buffer à l'entrée. Et on est parti. On a même pas la vie. On peut se faire carotter tant qu'on n'a pas la vie. Oh, il me l'a quand même mis. Mais quel enfer! Je l'ai évité. Ah, vous avez un décalage, là. Il y a des images perdues. Non. Vous avez un gros décalage, là. Dites-moi si ça ralentit un peu, hein, parce que j'ai l'impression que ça ralentit, mais c'est peut-être le jeu, en fait, je le vois de trop près. Donc, un buff gratuit, claqué. Est-ce qu'on va utiliser ça? Non, ça sert à quelque chose, ça? Je sais même plus. On sait toujours pas à quoi ça sert. On va faire genre. Ah non, mais ça, c'est pour la... C'est, si, on sait à quoi ça sert. Bon. Non, mais je viens juste pour chercher ça. Merci! Oh, je l'ai arrêté en plein milieu, mais quel enfer! J'ai pas d'attaque, en fait. Il m'a tapé avec son pied. Mais quel enfer. Faut vraiment l'éviter, genre... On peut pas éviter, genre... Faut vraiment l'éviter large. On peut pas faire une petite balade entre ses pieds, quoi. C'est pas friendly petit, quoi.
En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à le stopper en plein milieu de l'attaque. Et ça, c'est pratique. Par contre, j'ai aucune, mais aucune, frappe de force. Genre, je veux de la frappe, merci. Est-ce qu'on peut frapper ce gars? Ou faudrait aller chercher peut-être... Ah, mais maintenant que j'ai mes amis ici... Oh, quel enfer. Faut que je le fasse. J'aurais dû aller chercher des bombes. Bon, vas-y. Fais apparaître ta vie. Merci. C'est claqué. C'est claqué. Là, ça tape mieux. Là, là on tape mieux. Là, on parle. J'ai plus de vie. Mais un coup et c'est la misère. Quel enfer. Je sais pas ce qu'il faut, ce qui nous manque, mais j'ai l'impression qu'il nous manque un truc. Peut-être de la jugeote. Peut-être ça qui manque. Un petit peu de chill. Du cerisier en fleurs. Un truc comme ça, tu vois, genre. La musique. L'amour. Quelque chose. Pars ! Non, mais en fait, vas-y, vas-y. Franchement, à chaque fois que tu loupes, là. Tiens, prends-le. Voilà, merci. Non, mais on le tape pas, en fait. Le but, c'est de pas le taper. Furieux. En même temps, je me défends pas. Je crois qu'il y a un problème de défense dans mon histoire. Oui, c'est ça. J'appuie pas sur le bon bouton. Ah là 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 là. En fait, j'ai tendance à appuyer sur lock à cause de... De la défense de... Vu que je rejoue à Dark Souls, vous savez pas, je rejoue à Dark Souls. C'est sans doute que c'est ça. Voilà, bon ça on a récupéré. On peut repartir? Ouais, on va aller chercher des bombes. On va aller chercher masse de bombes, et on va lui lancer toutes les bombes, et après on jouera. Allez, on se casse. On va aller voir le marchand, il doit nous proposer des trucs, le marchand. C'est où déjà le passage pour pouvoir aller chercher le marchand rapidement là? Ça a pas l'air d'être là. Hein. Oh non, faut que je repasse par le trou. Oh non, bah du coup on va le faire. Hein. Je suis désolé, mais on va pas aller chercher. Hein. On continue. Oh, y a pas de marchand dans le coin. Hein. Quel enfer. Pas cool. Je suis sûr qu'il y a un marchand dans le coin et je le sais pas. Genre, c'est pas écrit. Genre marchand. Qu'est-ce qu'il a? Il a quelle tête? Ah oui, il a deux points bleus. Pour dire, ouais, il est là. Ah, il est là! Il est juste à côté! Trop bien, le marchand est là. Alors là, par contre, je suis désolé, mais... c'est exactement... Alors, c'est bien parce que c'est exactement dans ce genre de moment-là où tu te dis, j'ai besoin du marchand. Il est là, il est dedans. Et il dit, c'est là. Et il est là où? Il est là, là. Ok. Bonjour monsieur le marchand, je viens chercher des bombes parce que j'ai un problème de boss à tuer. C'est intéressant tout ce que vous me proposez, mais à quoi ça sert? Je peux tout vous acheter. Déjà on va prendre de la vie, je pense que c'est nécessaire. Ah ouais, 1000. Ça c'est combien ça? 999. 90, mais ça sert à quoi? C'est du lierre. Ah, le lierre, c'était quoi déjà? C'était quoi d'ailleurs, le lierre? Ah, c'est le piment rouge, ça permet d'augmenter les points d'endurance, le lierre, ok. Il y a quoi d'autre? La pièce, ok. Ça, on sait à quoi ça sert. Le fruit. Mais alors, le feu ou les bombes, juste? Voilà, on va prendre ça un peu. Et on va un peu prendre ça. Voilà. Et ben on reviendra plus tard, hein. Voilà, on s'est un peu stuffé. Merci monsieur le marchand. Au revoir. Vous faisiez peur avant. Maintenant, c'est mieux.
On a plus de vie, plus de quoi lui balancer dans sa tête. Et ça, j'apprécie. Par contre, le menuing, ça va être l'enfer. Est-ce que je peux faire du bouger? Non, je peux pas bouger. Le menuing pendant qu'on se fait le boss. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'en fait, ça sert à ça, le gel. Alors. On va se buff. On va mettre ça ici. Allez, viens. Allez, viens. Je suis chaud. Tiens, prends ça. Mais t'as rien pris comme coup! Alors que je t'explose ta tête! Mais quel enfer! La vie, c'est quoi déjà? Je m'en fais plus. Voilà. Quel enfer! Regardez-moi, sa vie est infinie! Faut que je fasse un faut que je fasse un sans faute sur ça! Quel enfer! Bon, ok. Quel enfer! Bah écoute, super, hein. Super. J'imagine qu'on peut le taper au bâton, hein. En plus. Il y a des gens qui vont le taper au bâton. Moi, je ne fais pas ça. Hein. On va s'équiper. Tranquillement. On m'a demandé, hein, dès le début, hein, presque, une nouvelle. C'est ça, le truc. Non. Tiens. Est-ce que le feu, ça te sert à quelque chose? Non, ça sert à rien, wesh, le feu, wesh. Mais c'est quoi ce truc? C'est moi qui flambe. wesh. C'est quoi? Y'a rien qui va. Ah, j'ai brûlé. Ah non. Alors je vous envoie le lol. Le lol est présent. Bon, on va faire des strats de pro gamer, je pense. Hein, c'est parti. Bon, peut-être après ça. Non mais il y a moyen de le faire, mais on a vraiment rien en fait. En fait, il faut que j'aille chercher des cartes. Le problème, c'est que c'est censé être là, hein, que je suis censé arriver. C'est le... Je suis censé passer par le clocher. Le problème, c'est que le clocher, il est accessible par là. Ça se trouve, il faut que je me farm. Je sais même pas. Ils disent pas le farm. Faut que je meure ici, en tout cas, pour pouvoir revenir et plus jamais rester. Donc on va essayer de le refaire. Après, c'est pas grave, hein, c'est des... On va essayer de marcher doucement. Voir s'il nous repère pas. Ah, c'est fermé, mince. Lol. Je suis sûr qu'on peut le faire en se protégeant bien. Ah ouais, non, mais... Y'a moyen. Il faut prendre son temps. Restons plus en vie. Pourquoi tu tapes là-bas? Quel enfer de mec. Reste ici. En plus, tu peux m'envoyer en l'air? Quel enfer. Oh là là, faut vraiment que j'évite ça. Mais ça, faut que je prenne tout mon temps. J'ai mal maintenant.
Il a fait une quatrième, quel enfer. 1, 2, 3, et là je vais mourir, ça. 2, 3. J'ai juste besoin de prendre la vie. Laisse-moi prendre de la vie. Recule, recule. 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 Non ! En fait, il faut que ça, faut que je l'évite. Ça me permet d'avoir du temps pour la vie. Bon, en fait, c'est faisable, hein. C'est juste qu'il est chiant. Comme l'amour. Mais c'est faisable. On va essayer de le faire. On va essayer. Faut juste prendre son temps. Regarder son endurance. Le bloquer quand on a vraiment besoin. Parce que c'est surtout ça, en fait. Là, je l'ai bloqué pour rien. Voilà, hop, prends ça. Oui, merci. Donc là, on le laisse vivre un peu. Le temps qu'il récupère sa barre de vie, histoire qu'on soit bon au point avec lui. Voilà. C'est bon, t'as ta vie. T'es prêt? Voilà, tiens. Exactement. C'est ce que j'attendais de toi. Je suis heureux. Ok. On récupère son endurance. 1, 2, 3. Ouais, c'est en fait le problème, c'est ça. Et ça tourne. On récupère son endurance. En fait, faut que je lâche la protection à chaque fois. C'est archi faisable. Faut juste être super poisson. J'espère qu'il a pas 4 phases, parce que ça serait l'enfer. Ah, je croyais l'éviter. Je ne l'ai pas évité. Oh l'enfer. 2 fois. Oh là là. Une faute. Une faute était dans le caca. Là 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 là. Non, bon, du coup, le truc, c'est pas très 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 complexe. Faut juste que je sois dedans. Mais le pattern, là, de défense, c'est un peu just, quoi. Peut-être que, ouais, faut que je garde la défense. Je pense que c'est assez nécessaire, peut-être. Le coup, en fait, c'est à la longueur. Donc, nous, on a besoin de plus de défense. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Vas-y, viens, 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 viens. Je suis pas ton pote, je suis pas ton pote. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je me suis protégé. Façon de parler. J'ai bien fait de l'attaquer au début. Ça lui a enlevé masse de vie. Ouais, c'est ça, en fait. Faut que je prenne le rythme de ces attaques. Mais s'il te plaît, respecte-moi quand même. Allez, 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 allez. Première barre. Oh! Comment je l'ai pris là? Ouais, je me protégeais! Qu'est-ce qui se passe? Le lock, il a fait quoi? Attendez, je regarde au ralenti. Non mais je l'ai évité, mais tellement joliment, et je me suis fait repousser, et il a rattaqué direct. Quelle incroyable histoire. Bon alors du coup, maintenant qu'on a vu qu'on pouvait l'attaquer salement dès le début, on va faire ça en étant buffé. Ah, il s'est enfui. Non mais ma protection. Je l'ai mâché. Oh, il avait perdu... Il avait perdu masse de vie, wesh. Ah, non. On a plus rien. On a plus rien, on est pauvres. Bon, ouais, c'est pas grave. Le chat, s'il te plaît, te fais pas les griffes. Merci. Thank you.
Ouais, c'était sûr. Là, faut l'arrêter. Mais pourquoi il se défend pas là? Je comprends que je me prenne le premier coup. Mais quand je suis toujours en train d'appuyer, j'aimerais bien garder quand même mon bouclier à un moment. Je le vois en train de baisser son bouclier, je comprends pas. Faut que j'arrête vraiment de le locker parce qu'en fait, c'est, je crois que le lock il est en train de me tuer. Quel enfer, quel enfer. Bon, alors je sais plus où je suis par contre. Non, mais je cherche mes âmes. C'est là-bas. Non mais c'est incroyable cette histoire. Il arrive à me serrer dans le coin. Mais c'est un... Excuse-moi, j'aimerais vivre. Non mais en plus on me fait perdre que dalle. Il m'a tapé deux fois seulement. Et j'ai perdu tout. La barre d'endurance qui part. Aussi. Mais regarde, je suis même pas au niveau du coup. Je suis même pas au niveau du pistolet, wesh! Tu fais quoi? Je viens de battre. Et je commence à avoir un peu ce pattern. Ah! Ok, là pour l'instant on prend pas de coups, hein. C'est beau. En fait j'ai besoin de sauvegarder un peu mon endurance à la fin. Oh il l'a, je l'ai pris. Et je l'ai pris et j'en peux plus. À partir du moment où je la prends, c'est un enfer. Oh, je suis triste. Oui, je suis triste. Mais c'est pas l'heure encore, le chacha. Encore 30 minutes. Laisse-moi finir juste un petit peu. J'avance, je fais quelque chose. En fait, j'aimerais bien le stopper en plein milieu, mais ils vendent pas des... Ils vendent pas des bombes glaçantes. Vu que je les ai claqués comme un pauvre gars tout à l'heure. Le chat, s'il te plaît. Arrête de te faire les griffes. Oh là là. Tout va bien. Mais c'est toi? Tu veux que je t'ouvre la porte? Bon, alors, 2 minutes, j'ouvre. Porte au chat, j'arrive. Bon, je pense que soit on a vraiment un bas niveau, mais c'est ça qui me paraît étrange, parce que vu qu'on nous a dit de passer par là, je ne comprends pas pourquoi ce serait pas faisable, en fait. J'ai du mal à saisir. Mais on va essayer. Peut-être que aussi je me suis coupé des alertes sonores du boss. Je vais remettre un peu le son. Peut-être qu'il y a des alertes que j'entends pas. C'est trop bas et tout. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que je suis pas très doué. Oui, tiens. Je suis mort où? Est-ce que je suis mort? Ouais. J'avais oublié que c'était fort.
Ouais, en fait, il me casse mon endurance, mais faut vraiment que... Faut vraiment pas que je prenne de coups, en fait. Faut vraiment que j'évite. Donc ça, c'est la moitié. Comme ça, tu bouges pas. Là j'ai cramé mon truc. Là j'aurais pas dû. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Un truc que j'ai pas compris, il y a un moment où j'ai pas compris, en fait ça m'a un peu mis de côté. J'ai pas compris ce qui s'est passé, on dirait qu'il sortait un truc de ses poches. Alors pas ça par exemple. Peut-être que j'ai été contré parce que j'ai mis ce clic, mais j'ai pas compris ce qui se passe. Alors c'est pas ça que je voulais faire, je voulais utiliser ça parce qu'en fait je pense que ça c'est vraiment de la magie. Mais il n'y a pas écrit dans le truc, donc on sait pas ce que ça, à quoi ça sert, en fait. Bon. Essayons de mourir plus près, comme ça on va essayer de voir si c'est, y a pas un autre boss, mais ça me paraît étrange que... Ok, donc du coup... Le chat, arrête! J'ai plus de vie. J'ai quand même pris un coup, hein. Quel enfer. Quel enfer. J'ai quand même pris un coup. Oh là là. Je suis sûr que c'est faisable, en plus. J'ai vu pire. J'ai vu archi pire. J'ai joué avec 5 potions. Contre les gargouilles... Bon, on peut pas se la péter comme ça. Contre les gargouilles de... Et sans invocation aussi, contre les gargouilles de Dark Souls, hein, les doubles. Je l'ai fait. Il y a un moment où on peut le faire. C'est juste qu'il faut... juste qu'en fait, on tape pas fort, quoi. Donc, par exemple, je vais arrêter de locker, on va voir ce que ça donne. En fait, c'est le seul moment où je devrais loquer, ça devrait être là, c'est pour pouvoir contrer son truc, là. Tu t'approches quand tu veux. Moi, je suis là. Hein. Mais... Regardez-moi ça! Non mais... Il m'a mis 2 coups! J'ai perdu l'ensemble de ma vie! Quand c'est l'heure et quand c'est pas l'heure, c'est encore l'heure. Proverbe des chats, c'est vrai. Bam! Ça c'était gratuit, parce que tu m'as tendu le flanc. Tiens, prends-le encore. On va faire midlife, on va faire midlife, on va faire midlife. Oh, je vais m'approcher, mais quel enfer. Tiens, prends celui-là encore.
On est bientôt midlife. C'est beau ce qui se passe, c'est beau ce qui se passe. On est dans le game. Ah, il enchaîne avec le pistolet maintenant. Ok, d'accord, c'est tué. C'est tué. On est midlife. La vie. Oh, la vie. La vie. Merci. On va le bloquer. Bloque-le. Pourquoi? Ah, j'ai plus de magie. Mais qui me dit? Qui me dit que j'ai plus de magie? Personne. Personne ne me dit de magie. Voilà, maintenant j'ai de la magie. Donc c'était bien de la magie. On est d'accord. Cadeau. Ok, on peut le faire. On peut le faire. Ah, ça y est. Il est vénère. C'était la dernière vie. Oh, l'enfant. C'est pas bien ce qu'il a fait. Je suis choqué. Ici, il a fait un 360 d'un coup. Ah non. Ah, je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Et en plus, je joue là, sans la protection. Aïe, 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 aïe. Ah, le mal que j'ai eu là. Ça fait mal. Ah là là, j'étais motivé, on était midlife là. Tiens, prends ça. J'étais un peu greedy. Un peu arrogant sur les bords. Ouais, si à chaque fois qu'il avance, on est devant, moi ça me va. En fait, c'est ça son gros point faible. Oh, mais le lock, j'étais dos à lui. Waouh, il y a des moments. Excusez-moi, je crie. Hein. Ça m'énerve. On est bientôt. On est dans le sel. On est dans le sel. On est en Guérande actuellement. Non, mais après, c'est archi faisable. J'ai vu l'opportunité. Elle est là. Il faut juste qu'on soit à chaque fois devant ses pattes. Et normalement, ça devrait se la jouer tranquille. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ouais, c'est quand je tombe, je suis dos à lui. C'est le principe. Voilà. Si je l'ai pas lock quand tu fais ça, je suis dans le caca. Oh, il est allé chercher midi à 14h again. Alors son coup là, c'est un creux. Vraiment, il fait la moitié de la map. En même temps, on s'appelle, on va boire un verre. La Camargue, mais quelle belle région. J'ai dit quoi? J'ai pas dit Camargue, je crois. Guérande, j'ai dit. C'est en Guérande? C'est en Camargue, la Guérande? Je sais même pas, moi. Tu sais, la géographie de... Oui, le chacha. Je finis ça. On va faire du greedy. Vas-y, fais ton tir. Moi je suis là devant pour t'attendre. Non mais c'est pas possible. Le lock il s'enlève en fait. Le lock il s'enlève. C'est quand je prends le coup, le lock s'enlève. Et du coup, faut que je le réengage, j'ai l'impression. Il y a un truc très complexe hein, avec cette histoire de lock. Guérande Camarde, on y fait du sel. Ah, les deux? Ok. J'ai l'impression que... ouais. Nous sommes actuellement totalement dedans. On était mais tellement proche de la fin. De la fin de ce boss de l'enfer. Vas-y. Bon, d'accord. J'ai rien dit. Je veux pas, en fait. Laisse-moi tranquille. Tiens, prends ça. Je veux de la vie. Ah oui, donc si je te tape pas, en fait, tu prends cher.
je fais bien d'être là. Hein. Non, en fait, j'ai remarqué. Et là, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Eh, il s'est cogné contre l'eau? Non, attends, il y a eu un truc. Il a tapé quelque chose, là. On est d'accord? Il y a un truc qui s'est passé. Pourquoi il a été stun? Il s'est passé quoi? J'ai perfect son coup? On peut perfect les coups? Il s'est passé quoi? Non, mais faut me dire si on peut le stun. Comment qu'on fait? J'ai pas compris. Il a été stun tout seul, on dirait. Bon, après, j'ai été bête, j'ai essayé de le stun, mais j'aurais pas dû, en fait. Il a été stun, wesh. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Là, en Bretagne, l'autre collé à la Méditerranée. Oui, c'est bien ce que je me disais, je le voyais plus dans le sud. Bon, par contre, il m'a bien bloqué dans le coin, là. Hein.